Bonsoir tout le monde, bonjour, bonjour. Salut la famille, comment ça va Ça <coughs> grince toujours. Euh, bonjour, bienvenue, j'espère que ça roule pour vous. Bienvenue, bienvenue. On est quel jour euh, On est mercredi, on est le 6 avril 2022, après Jésus-Christ. Il y' a pas un truc bientôt. Pas. Ce week-end, il euh, se passe un truc Je sais plus. J'ai faim, je dois attendre 20h30 pour manger. Pourquoi tu dois attendre 20h30 pour manger? C'est quoi ces règles? C'est faux. On te ment quand t'es enfant. Dès <laughs> qu'il faut attendre. Ah oui, c'est la Zilan. C'est la Zilan, Sukan. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est la Zilane. Bienvenue donc sur ce, sur ce stream de, de training, Zilane, pour l'épreuve surprise qui sera très certainement une épreuve de culture générale, d'actualité politique. Il <laughs> euh, y a Miss France ce week-end? <laughs> <laughs> Euh... Bonjour bonjour. Demain je reçois le mug, j'aurai enfin des érections durables, c'est bien ça. Oui oui c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça, absolument. Alors par contre tu ne pourras pas recevoir ce mug là, qui est un mug pour les 20 ans de public Sénat, à mon nom. Eh oui. Celui-là il est goldé, il est collector. Euh... OMG. Oh, ai le Airplay c'était le week-end dernier. Putain c'était déjà le week dernier. Oh, ça passe si vite. l'impression que c'était hier. <coughs> t'es sûr que c'est pas au nom du premier ministre ah c'est peut-être ça c'était le mug pour Jean Castex et ils me l'ont offert parce que Jean Castex on a pas voulu parce que Jean Castex il fait pas des streams <laughs> c'était avant hier ouais techniquement oui <laughs> je veux placer mon pixel Un invité politique pour demain Ouais, ça va être annoncé. Bah tiens, ça vient d'être annoncé à l'instant sur le Twitter mondial. Regarde-moi ça. Boom Notre invité politique demain dans Backseat, ce sera Samuel Gribowski, euh, qui n'a pas pu venir la semaine dernière à cause d'un empêchement. Et donc, il, euh, il s'est rendu disponible cette semaine et je l'en remercie. On recevra donc Samuel Gribowski. Le euh, cofondateur de la primaire populaire, qui a quitté la Première populaire il y a quelques semaines pour rejoindre, rallier la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Il viendra nous expliquer, euh, expliquer j'ai hâte de, de l'entendre, Samuel Gribowski, cette aventure qu'a été la Première populaire pendant cette présidentielle 2022. Ça aura marqué euh, cette présidentielle et donc il va nous raconter comment ça s'est passé de l'intérieur, euh, les limites du truc, euh, la réception euh, du processus, etc. Ça va être vachement intéressant. Euh, voilà. <coughs> Hop. Usul euh, va le terminer. Vous êtes lourdingue. Je vous le dis, hein, de vous à moi, vous êtes extrêmement lourdingue euh, à attendre d'Usul qu'il soit un. un un cogneur de plateau. Vous savez très bien que c'est pas le cas. Vous savez très. Ça fait. Il y a quoi Il y a une trentaine d'émissions Backseat qui ont eu lieu là. Vous êtes extrêmement lourd. Euh... Puis on va commencer à ban. Hein, je pense à peu, à peu près à tour de bras. Dommage qu'il n'y ait pas eu Macron ou Pécresse comme invité sur Backseat. On sait tous que vous avez tout fait pour ça. Merci à vous. Ouais, bah ouais. On aura essayé. Écoute, on aura essayé jusqu'au bout de recevoir Macron ou Pécresse. C'est pas grave. On les recevra peut-être plus tard. Peut-être plus tard après la présidentielle. <coughs> Euh, il vient en tant que soutien à Jean-Luc Mélenchon, en tant que personne à l'origine de la primaire. Il vient en tant que Samuel Grivovsky, il est ce qu'il est. Je ne demande pas d'étiquette particulière. Il va, il va venir nous raconter son processus petit à petit. Euh, Pécresse aura du temps libre à partir de lundi. Bah on verra. On verra. Macron, il ne se donne même pas la peine d'aller sur France 2. Ouais, je sais, les copains de France 2, ils sont trouvés dans la même merde que moi. Laurent Guimier si tu m'écoutes. Je sais ce que c'est, t'inquiète. Être une petite chaîne secondaire. <laughs> et pas réussir à avoir les invités que tu veux. Je connais ça. Euh... Macron ne stresse même pas la rue pour sa campagne. Ah bah la campagne d'Emmanuel Macron, ça aussi on aura l'occasion d'en débriefer. On sent, on sent quand même une fébrilité hein, du côté de la campagne d'Emmanuel Macron euh, sur un risque de second tour face à Marine Le Pen. Marine Le Pen est en, est en passe de remporter l'élection présidentielle en cas, de, en cas de second tour euh, face à Emmanuel Macron. Et donc on sent que, on sent que la campagne d'Emmanuel Macron commence à être très fébrile sur ce, sur ce sujet-là. Macron sera ce soir au JT de TF1 de 20h. Ouais, ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Emmanuel Macron sera l'invité du JT de 20h de TF1. Macron pas grand monde pour le défendre dans Baxi depuis qu'il est candidat. Alors depuis qu'il est candidat, non, parce que la communication de la République en Marche est extrêmement verrouillée. C'est très compliqué d'avoir des invités partout. Hein, dans les autres médias, c'est pareil. Hein. Mediapart même ce soir, ils n'ont pas réussi à avoir la République en Marche. Euh, mais pour autant, sur Baxi, on a reçu quand même plusieurs personnalités euh, éminentes de la République en Marche. Euh, D'autres ont, ont été ok pour venir, mais on n'a pas pu le faire pour des raisons d'agenda. Mais on a quand même reçu. Euh, Plusieurs ministres, le président du groupe, la présidente de la commission des lois, le rapporteur général du budget, on a quand même, on a quand même eu des gros bonnets euh, sur le plateau de Baxit pour venir euh, expliquer la politique du gouvernement et la défendre, donc, euh, donc j'en suis très content. Évidemment j'aurais souhaité avoir le candidat, mais, mais c'est pas grave. Euh, ça me ferait tellement plaisir que Macron soit pas au second tour bah écoute, ça dépend ni de toi ni de moi. Hein. <laughs> c'est les électeurs qui vont en décider. <coughs> euh... Le candidat meilleure web série. Ouais, 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 la web série du président de la République sur YouTube. Vous la regardez, vous Moi, je la regarde en même temps, ça va. C'est un épisode par semaine, c'est pas non plus du spam. Euh, J'y apprends pas grand chose. Mais c'est pas grave. De toute façon, ça n'a pas, pas, pas vraiment vocation d'être le truc, quoi. Et puis en plus, je crois que les, je crois que les audiences s'effondrent vidéo après vidéo. Le Pen a-t-elle fait beaucoup de meetings J'ai pas l'impression. Non, Marine Le Pen, elle aussi, elle a fait une campagne intéressante dans son genre puisque a fait peu de grands rassemblements et de grands meetings. Elle s'est énormément concentrée sur des déplacements sur le terrain une campagne qu'on appelle dans le jargon une campagne de proximité euh, ça a été pas mal vilipendé pendant longtemps par pas mal de gens oh, 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 en opposition par exemple à Eric Éric Zemmour qui lui a fait des grands meetings au Trocadéro à Villepinte etc euh, forcé de constater que ça n'a pas réussi ça n'a pas suffi pour euh, Éric Zemmour on verra enfin je dis ça on, on tirera les conclusions euh, dimanche prochain mais Marine Le Pen de son côté a réussi à rester assez solidement ancrée dans les sondages malgré les péripéties et malgré une campagne de terrain euh, on pourrait croire que c'est que c'est pas la meilleure mais c'est intéressant parce que vous voyez, regardez, de son côté, Jean-Luc Mélenchon, lui, il a fait une campagne de grands meetings et ça a marché aussi pour lui. Donc, comme quoi, on peut pas en tirer de, que, de on peut pas en tirer de conclusion absolue en disant que les meetings ça marche plus, euh, il faut faire des campagnes de terrain, etc. Comme quoi, euh, incroyable à quel point Marine Le Pen a résisté. Ouais. Assez intéressant, hein, la, 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 la résistance dans les sondages de Marine Le Pen est un truc qu'il va falloir étudier, à mon avis, pendant longtemps. Elle a réussi à déjouer quand même pas mal de pronostics. Alors, est-ce que c'est de son fait à elle ou est-ce que c'est du fait du contexte autour d'elle aussi Peut-être... Hein, tout tout, tout n'est pas du fait des candidats, c'est ce que je vous expliquais hier, c'est la particularité d'une élection présidentielle où tout n'est pas le fruit du candidat ou de sa stratégie, il y a aussi des contextes autour. La, 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 la victoire d'Emmanuel Macron en 2017 n'est pas que le fait d'Emmanuel Macron, c'est euh, le fait... Euh, d'une un, organisation euh, particulière de notre paysage politique qui a rendu possible ce, ce, ce phénomène de trou de souris dans lequel a réussi à, à rentrer Emmanuel Macron. Il y a une grosse diff, les discours de Zemmour versus les discours de Milish en meeting et dans les médias. Ah non mais c'est sur le fond, évidemment. Je ne suis pas en train de te dire que que Zemmour et Mélenchon ont, fait la, ont dit la même chose dans leur campagne. Il se trouve que le, la structuration de leur campagne euh, se ressemble dans le sens où ils ont fait des grands meetings. C'est juste qu'il y en a un à qui, visiblement, ça a, ça a l'air de fonctionner, c'est Jean-Luc Mélenchon, et un pour lequel ça n'a pas suffi à se maintenir, c'est Éric Zemmour. Comme quoi, une campagne, ça doit s'organiser d'une manière un peu particulière, quoi. J'ai l'impression que Mélenchon, après un gros coup style gros meeting, il perd un peu de points et il en regagne deux ou trois plus tard. Ah ouais, tu trouves Non. Non, 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 non. Faut, je, je sais pas, j'ai pas cette impression-là, peut-être que je me trompe. Mais pour le coup, euh, c'est le paradoxe, enfin, euh, c'est pas le paradoxe, c'est la mécanique du vote utile. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon bénéficie d'une mécanique de vote utile depuis quelques semaines. Ce que j'appelle une mécanique de vote utile, c'est le ralliement de personnes qui n'apprécient pas Jean-Luc Mélenchon ou son programme, ou, euh, vrai, ça dépend de... mais qui souhaitent quand même voter pour lui de manière à lui permettre de se qualifier au second tour pour changer la donne au niveau national. Euh, là où, du côté de l'extrême droite, c'est Marine Le Pen qui apparaît être aujourd'hui le vote utile. Euh, et donc elle aussi bénéficie de cet effet-là du côté des électeurs de Zemmour et peut-être d'une partie des électeurs du Rassemblement national. Donc, euh, donc ouais, comme quoi J'ai l'impression que Mélenchon, il progresse, il stagne un peu, puis il progresse, puis il stagne et ainsi de suite. Ah ouais euh... Ah merde. Euh, non, Jean-Luc Mélenchon, il a, été, il a été stable pendant, pendant des semaines, jusqu'à la fin du mois de février. Là, ouais, ouais, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a eu un petit plateau là, mais ensuite, la montée, là, depuis, euh, depuis la milieu du mois de mars, la montée, elle est quand même continue hein, pour Jean-Luc Mélenchon. C'est pas... Ouais. Souvenez-vous quand même, on en parlait. Euh, Noël dernier, euh, Eric Zemmour. Euh, non, c'était même encore avant ça. Il n'y a pas un moment, Eric Zemmour. Ouais, Eric Zemmour, c'était au moment du lancement de sa campagne, là, en novembre dernier, où il était au coude à coude avec Marine Le Pen. Euh, euh, c'était vraiment dans la marge d'erreur. Et ensuite, il est redescendu. Il a, il, ouais, il a, il a réété au coude à coude, mais il n'a jamais réussi à la redépasser. Et le déclenchement de la guerre en Ukraine, ça, ça a fini le truc. Valérie Pécresse aussi a commencé à s'effondrer à partir de. La fin du mois de janvier, c'était quoi la fin du mois de janvier C'était son meeting raté à, au Zénith C'est dingue quand même. Hein. Un meeting qui est, qui est considéré comme un exercice raté par la candidate elle-même, d'ailleurs Valérie Pécresse le dit elle-même, euh, aura entaché sa campagne. La chute de Pécresse, par contre, c'est quand même tendu. Ouais, ouais, la chute de Pécresse, elle est impressionnante. Hein. Pécresse qui, qui menace de se retrouver en cinquième position de l'élection présidentielle. Déjà que l'arrivée de, de François Fillon en troisième position en 2017 avait été un drame pour sa famille politique. Je vous rappelle quand même que sa famille politique, les Républicains, euh, <coughs> avant c'était l'UMP, avant c'était le RPR, etc., c'est quand même une famille politique qui a toujours été au second tour. C'est un parti de second tour. C'est un parti qui a déjà donné des présidents de la République au pays. Euh, fin... <coughs> Donc déjà arrivé en troisième position, on avait appelé ça la catastrophe. Mais alors là, si elle arrive en cinquième même en quatrième, ça va être tendu du slip. Euh... La cinquième république, quand on tout repose sur une personne, si cette personne trébuche, il y a un risque que tout s'effondre. Absolument, tu as parfaitement raison. C'est la limite... Euh, et souvent, la critique aussi du, de, de la Ve République c'est son système politique très présidentialisé qui, re, qui fait tout reposer sur une personne lorsqu'elle est au pouvoir, présidente de la République, ou lorsqu'elle est candidate à l'élection présidentielle. Et c'est aussi les limites du truc, ouais. Hum. Les Sarkozy ont rallié Macron. Je me demande, moi c'est une, une, une question que je me pose comme depuis longtemps qu'est-ce qu que ça aurait changé le ralliement de Nicolas Sarkozy à Valérie Pécresse Je pense que le fait que Valérie Pécresse attende le ralliement de Nicolas Sarkozy a donner un poids très important à Nicolas Sarkozy euh, et donc du coup à son choix à lui, faisant perdre à Valérie Pécresse euh, de la stature. Je me demande si le ralliement de Nicolas Sarkozy à Valérie Pécresse aurait changé la donne. Je ne suis pas persuadé. Mais j'en parlais avec Thomas Legrand à France Inter qui disait il aurait fallu en fait que Pécresse dise Je n'attends pas le soutien de Nicolas Sarkozy. Qu'elle s'émancipe en fait, qu'elle. Qu quand bien même sa campagne aurait été une défaite, elle se serait émancipée de l'histoire de ce parti en disant bah, ⁇ Je n'attends pas le soutien de Nicolas Sarkozy voilà. ⁇ C'est une nouvelle page de l'histoire de cette famille politique qui s'écrit, et, euh, et c'est une page qui s'écrit sans le soutien de Nicolas Sarkozy. Aux dernières élections municipales et européennes, les Verts ont eu nettement plus de voix que ce qu'annonçaient les sondages. Est-ce que ça pourrait se reproduire Oui, bien sûr. Ça pourrait se reproduire. Les écolos pourraient avoir plus de voix que ce que leur donnent les sondages. C'est possible. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est possible pour tout le monde. Hein. Il peut y avoir des surprises. On verra. Une Chiracienne qui ne s'est pas émancipée de Sarkozy. Dans l'ironie, c'est quand même très drôle. Ouais, je suis d'accord avec toi. <laughs> c'est quand même très drôle. De, mettre que, de même que le vote RN a tendance à être surévalué. Euh, ça dépend ça. Le vote RN a été sous-évalué pendant, pendant très longtemps et il y a eu la catastrophe de 2002 qui a montré que, que les, les instituts de sondage avaient du mal à estimer le vote Rassemblement national parce que pendant très longtemps il y a eu un vote honteux. Le vote FN à l'époque était un vote honteux, donc les gens ne disaient pas qu'ils votaient pour FN, pour le FN et le jour J, ils allaient voter FN. Enfin, les gens, Des gens, et en tout cas en nombre suffisamment nombreux. Euh, ça a quand même changé à partir de 2007, 2012, 2017. Il y a eu quand même des, 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 des affinages, notamment par le fait que les électeurs FN ont commencé à s'affirmer de plus en plus. Quoi. Ça aurait vraiment apporté quelque chose à Pécresse, le soutien de Sarkozy. Bah, c'est la question que je me pose. Je ne sais pas. J'ai du mal à l'estimer, j'ai du mal à l'imaginer. On peut pas réécrire l'histoire, mais euh... pour sa famille politique, c'est important. Euh, Nicolas Sarkozy reste le, le dernier grand président de la République de sa famille politique. Donc euh, ça, ça dit quelque chose à des, à des électeurs que l'on sait sensibles à la figure du chef. Hmm. Trop hâte, n'empêche, tu seras en live pendant les résultats. Oui, bien sûr, je fais une soirée électorale dimanche, évidemment. <laughs> Merci Anna Vol pour ton prime. Beaucoup d'élus Sarkozystes militent pour Macron aujourd'hui. Quelques uns, quelques uns, mais pas tous, hein. pas tous. Les élus Sarkozystes, enfin Nicolas Sarkozy, dans son genre, entre 2017 et 2012, il a réalisé une synthèse de sa famille politique. Hein. <coughs> il, a, il, a, voilà, il a été avec des personnes qui aujourd'hui euh, se sentent à l'aise dans la Macronie et c'est normal, avec Bruno Le Maire, avec Gérald Darmanin, avec Édouard euh, Philippe, etc. Euh, et de la même manière, il y avait aussi du Nadine Morano, du Eric Ciotti, euh, euh, du. Enfin, euh, il y avait du Zemmourien en puissance aussi. Hein. Comment il s'appelait euh... Putain. Je suis fatigué, je sais plus. Donc, euh... Donc, ça a été ça la force de Nicolas Sarkozy en 2007 de réussir à faire la synthèse entre plusieurs droites. Vauquier Hortefeu, euh, Guillaume Pelletier, Jean-Frédéric Poisson, Eric Wirth. Euh, ouais Eric Wirth il est rallié à, à, à La République En Marche maintenant. de Jean, non, devait de Jean je le mettrai pas dans le dans le sac des, des gens proches de l'extrême droite. Euh, la Garde Borloo euh, du côté du centre droit, ouais. Donc, euh, donc voilà. Ce que, ce que Valérie Pécresse semble-t-il n'a pas réussi à faire. En même temps, Valérie Pécresse, mais ça, c'est le problème des Républicains depuis un bout de temps. Ils ont un espace politique qui se rétrécit au fur et à mesure que, au fur et à mesure que que, que, la, répu que la République en marche d'un côté a réussi à grignoter une partie de l'électorat euh, libéral. Euh, euh, Centre-ville, cadre dirigeant, etc., et que l'extrême droite, de son côté, sur le, sous l'effet de la, la normalisation de Marine Le Pen, euh, a réussi à grappiller un autre électorat de droite, les républicains ont un problème d'identité politique. Il est décédé de Vedjan. Oui, Patrick de Védjean est décédé depuis quelques années. Mais il était, euh, il était dans, dans son genre, Patrick de Vedjan, critique du sarkozisme aussi. Il hein. fait partie des rares de la famille qui. Alors que pourtant, il faisait partie de la bande des Hauts-de-Seine. Hein. C'était la, 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 la structuration des, des enfants politiques de Charles Pasqua, avec les Sekaldi-Reno, avec les, les euh, Kosowski, Balkany, Sarkozy de Vedjan, euh, Hortefeu. C'était la, la bande historique des Pasquoyens, de la bande à Pasqua des Hauts-de-Seine. Et Hidalgo, dans tout ça, bah Hidalgo, elle est, euh, elle est la candidate d'un parti paradoxal, euh, le parti socialiste, qui s'en sort bien au niveau local dans les élections intermédiaires, euh, sauf les européennes où ça n'a pas été ouf, et, euh, et qui par contre s'effondre au niveau national et qui n'arrive pas, pas à exister, la social-démocratie au niveau. Euh, euh, au niveau national ne, ne marche plus. On, est, on, 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 on vit dans une saucisse, ça déjà. Non, mais on vit surtout dans, ces... <laughs> on vit dans, une, dans, dans un moment politique qui donne des primes à la radicalité. On a eu plusieurs fois l'occasion de, de l'aborder, ce sujet-là. Il y a une prime à la, à, à la radicalité. La modération est, est mal vue dès lors que tu veux proposer une alternative à la Macronie. L'autre manière de le dire, c'est que Emmanuel Macron a réussi à dynamiter le paysage politique français et de créer un énorme pôle d'attraction euh, autour du centre et centre droit, <coughs> qui rend difficile d'exister en dehors de la Macronie. Pour s'en différencier, il faut être assez radical. D'où le succès de euh, Jean-Luc Mélenchon, et d'où le succès aussi en partie d'Éric Zemmour, euh, pendant, euh, pendant tout l'automne et l'hiver dernier. Euh... Hidalgo, elle souffre surtout du fait que le PS n'a plus rien à défendre de clair. Bah, C'est que l'identité politique du PS, qui est une identité politique euh, affirmée autour de la question de la responsabilité du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, de la culture du compromis, bref, de la social-démocratie, euh, n'arrive pas à exister politiquement, n'a pas d'espace politique euh, et n'offre pas une alternative suffisamment, suffisamment séduisante pour les... face à la Macronie d'un côté qui attire les gens, euh, <coughs> qui attire les gens euh, modérés. Et face à un Jean-Luc Mélenchon euh, de l'autre côté, qui lui arrive à attirer les personnes qui souhaitent une véritable alternative. En tant que personnalité faisant vivre la sphère web, internet, gaming, tu penses quoi de la proposition de Jean-Luc Mélenchon de faire rentrer le jeu vidéo comme art à part entière J'en pense rien. C'est très symbolique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça implique. Euh pas si je les reconna... enfin, le jeu vidéo n'a pas besoin de reconnaissance symbolique je m'en fous c'est comme l'e-sport le, est-il un sport c'est une question dont je me branle totalement c'est pas intéressant, ça dit rien voilà. whatever, moi ce qui compte c'est ce qui est fait concrètement par les pouvoirs publics hum euh... les Français qui ne veulent pas voter, c'est la preuve qu'ils veulent de grands changements et pas de petites mesurettes. Bah ça, euh, malheureusement, tu fais, tu fais parler les personnes silencieuses. C'est toute la difficulté de l'interprétation de l'abstention. Hein. C'est facile de dire les abstentionnistes, ils veulent ça. Bah non, ils ne disent pas qu'ils le veulent. Le, c est, c est, tu vas tu faire parler les gens qui gardent le silence. <coughs> Ceci étant, les mécanismes de l'abstention sont connus, sont étudiés, on sait de quoi ils sont le nom aussi en partie. Chaque abstentionniste a des raisons de s'abstentionner, oui, c'est ça, exactement, de s'abstenir, euh, qui lui sont propres, mais pour autant, il y, 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 y a des grandes leçons à tirer de l'abstention, et notamment une perte de confiance dans l'élite politique, médiatique, euh, un, rejet, un, un rejet des modes d'organisation de, de, de la démocratie. Qui dont il faut tenir compte, mais tu peux pas résumer ça, les gens ils veulent de la radicalité, c'est pour ça qu'ils s'abtiennent. Je m'abstentionne. <laughs> mmh. Ne penses-tu pas que Zemmour soit aussi mise en avant pour essayer d'éviter que Le Pen soit au second tour, car c'est la première fois qu'elle a une chance de passer, qu'en penses-tu non. Alors, alors déjà, d'une manière générale, hein, les théories euh, proches du complot qui consistent à dire qu'en fait il y a des tactiques, etc. C'est plus compliqué que ça. Non, euh, Vincent Bolloré, pour parler de lui, euh, ne, ne, ne partage les idées d'Éric Zemmour. Hein, c'est pas une tactique de sa part pour faire monter Éric Zemmour, pour faire baisser Marine Le Pen. Donc c'est pas euh, non. vote obligatoire et hop participer à un processus démocratique c'est aussi un devoir ah ça c'est un vaste sujet est-ce que lutter contre l'abstention est-ce que pour lutter contre l'abstention il faut l'interdire <laughs> est-ce qu'interdire aux gens de s'abstenir ça va guérir la démocratie j'en suis pas persuadé au contraire Zemmour rend marine légitime. Ouais, par ailleurs, je suis d'accord avec toi, tu as effectivement un contre-argument qui consiste à dire euh, bah, la, la radicalité d'Éric Zemmour a participé à donner du fuel à la stratégie de normalisation de Marine Le Pen. Il y a finalement peu de calcul indirect ou à trois bandes dans les décisions politiques. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Faut pas voir euh, faut pas voir euh... il enfin, y, y a beaucoup d'improvisation aussi dans la politique. Hein. <laughs> Il y a beaucoup de gens qui tentent des trucs en disant on verra. Hein. Est-ce que tu penses que si Marine Le Pen passe en 2022, ça va provoquer une ultra-radicalisation de la France vers l'extrême droite ou au contraire provoquer une réaction épidermique vers l'opposé bah, J'en sais rien, on ne peut pas... Euh L'extrême droite n'a été au pouvoir en France qu'une seule fois dans, au cours de l'histoire et on a vu que il y a eu autant de, il eu, <laughs> eu de la collaboration, il y a eu de la résistance et puis il y a eu de, de l'apatisme aussi. Donc c'est bien facile de dire ce qui se passera si Marine Le Pen devient présidente de la République. La politique elle, qui sera menée par le pays, elle, elle paraît assez évidente. Euh, les phénomènes que ça va provoquer en réaction ou en adhésion, ça c'est difficile à dire. Ce sera peut-être un peu les deux, mon général. Tu vois. Euh... Est ce que tu penses que les résultats des législatives ressembleront à celui du premier tour? Je sais pas. On verra. Je ne sais pas. Il y a de fortes chances que mais ça, c'est est comme ça qu'est construit le système il y a de fortes chances que les élections législatives, que les élections législatives voient une majorité confortable pour le président sortant ou oh, le président élu, pardon. C'est <coughs> pour ça qu'on a créé le quinquennat. Euh... Les deux, mon maréchal, plutôt. <laughs> ouais. D'ailleurs, euh, puisqu'on en parle, j'ai écouté l'excellente série documentaire sur le maréchal Pétain, euh, le fantôme de Philippe Pétain, ça s'appelle. Euh, et c'est un podcast de France Inter en 5 épisodes, de, ou plus que je crois. Chaque épisode fait 50 minutes. Et c'est un, un excellente série documentaire. Enfin, c'est un podcast, mais c'est extrêmement chouette avec des, avec des historiens et tout. C'est extrêmement intéressant. Donc, euh, si vous écoutez des podcasts, que vous aimez les podcasts et que vous avez envie de vous. N'hésitez pas à écouter. Ça s'appelle Le fantôme de Philippe Pétain. Voilà, c'est le titre. Allez l'écouter, c'est très chouette. Merci Jésus-Berry qui du coup met le lien dans le chat. Les podcasts de France Inter sont globalement assez bons. Bah, C'est le premier que j'écoute et il est très chouette. Euh... Est-ce que tu trouves que les, les programmes qui disent baisser les impôts sont crédibles avec la dette et le déficit qu'on a bah, le paradoxe de la situation euh, macroéconomique actuellement en Europe, c'est que la dette est peu chère, qu'avec le plan de relance européen, il euh, y a quand même une forte incitation à l'emprunt euh, pas cher. Alors peut-être que la guerre en Ukraine va changer un peu la donne, mais la dette et le déficit sont moins un en enjeu cette année que ça ne l'était en, euh, en 2012, en 2017. Donc c'est pour ça que les candidats euh, rentrent dans la brèche. Après, les candidats qui promettent de baisser les impôts, la plupart du temps, ils promettent aussi de, de réduire la, la voilure de, des dépenses publiques pour compenser la baisse des impôts. Est-ce que tu as d'autres podcasts à recommander Non, non, pas plus que ça. Je, je n'écoute pas beaucoup de podcasts. Hein. Je dois bien vous avouer que ce n'est pas un format auquel je suis très habitué. Donc je ne pourrais pas vous, vous, vous recommander de podcast. Affaire sensible, ouais. Non, si, il y avait aussi le, le podcast euh, sur l'affaire du Buguelette-Braise. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était un, un chalutier qui a, qui a coulé au large euh, de, du Royaume-Uni. Et, euh, et donc voilà, un chouette un chouette podcast aussi que j'avais écouté euh, pendant mes vacances. Pas paul évidemment, oui, le podcast de, <laughs> de Léa Chamboncel. <coughs> Donc euh... Et le podcast de Valérie Pécresse, ouais. Le podcast de Valérie Pécresse que j'ai écouté, j'avais fait une chronique sur France Inter sur ce sujet, qui s'appelle Valérie raconte Pécresse. Alors je sais pas où elle en est. Que j'avais trouvé plutôt bien fait. Euh... Elle a fait 4 épisodes seulement. Ah ouais, euh, oui, d'accord. Son, 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 dernier, son dernier épisode, c'était le 12 février. Oui, donc elle a, arrêté, elle a arrêté son podcast en cours de route. Ah oui, ça fait un bout de temps, putain. Hum... Euh... Y a-t-il des partis politiques jeunes qui essayent de faire de la politique autrement Parce que les partis actuels me désespèrent tellement. Ah oui, oui, il y en a plein. Il y a des partis politiques en France, il y en a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Donc il y a plein de formations politiques qui essayent. Ben, la primaire populaire a été uh, typiquement un genre d'aventure de faire de la politique autrement. Le NPA C'est pas vraiment jeune le NPA, les amis hein. Non, pas que leurs militants ne soient pas jeunes, mais euh, c'est quand même une, c est, c est une tradition politique, euh, le communisme révolutionnaire en France. Mais il y a le parti pirate, il y a le parti animaliste, il y a euh, plein, 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 plein de formations politiques. À La République En Marche, il y, y, y a eu une proposition, il y a eu une offre politique à un moment de faire de la politique autrement, mais ils ont remporté l'élection présidentielle et à, et à l'exercice, ils se sont, sont révélés être un parti très classique. Très, très classique. Très Cinquième République, parfaitement coulé dans le moule. Europe Écologie Les Verts, aussi, à sa fondation au début des années 2010, avait une promesse de faire la politique autrement. Et pareil, ils se sont un peu pété les dents sur la logique politique qui veut que... Tu peux toujours promettre de faire de la politique autrement, tu, 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 tu te pètes toujours les dents sur la même réalité politique, qui est qu'un parti politique, ça présente des candidats à des élections. Et que donc, que tu le veuilles ou non, bah, tu te retrouves toujours à... Euh, à avoir des, des enjeux d'alliance, de pas-alliance, de, de pas de, de, des logiques internes de qui on présente dans quelle circonscription, etc. C'est un parti, la République en marche au sens pur de la définition. Oui. C'est une formation politique. Alors ils peuvent se donner le, le titre qu'ils veulent, ça ne change rien. Un, un, parti, un parti politique, ça se définit assez simplement. Hein, C'est une organisation euh, de droit privé qui euh, rassemble des citoyens dans le but de présenter des candidats des élections et de formaliser des propositions dans le débat public. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, bah vous faites rentrer là-dedans beaucoup de choses différentes. Et du coup, non, mais c'est intéressant d'ailleurs, on va en parler demain avec Samuel Gribowski qui sera notre invité dans Baxit. Euh, Est-ce que la Première Populaire n'est pas devenue un parti de fait De fait, même si, même s'ils vous laisse en garder, même si, rappelez-vous, quand on avait reçu sur le plateau de Baxit Mathilde Himmer, une des cofondatrices de la Première Populaire, qui nous disait tout le mal qu'elle pensait de la formation des partis politiques qui, selon elle, sont euh, les structures qui bloquent. La possibilité d'union à gauche, etc. etc., etc. Donc il y a tout un discours de critique de la logique des partis. Euh, mais la première populaire, de fait, n'est-elle pas devenue un parti euh, Puisque d'un processus, ils sont devenus euh, bah, une organisation qui a déjà formalisé des propositions dans le débat public avec un, une plateforme de propositions, puis a désigné de fait une candidate à l'élection présidentielle, puis avec des logiques de ralliement, etc. Il y a un moment, ça s'apparente à un parti politique, le truc, qu'on le veuille ou non. Voire même s'ils s'en défendent, en disant non, non, c'est pas un parti, c'est pas un parti, bah. Vous avez une candidate, vous avez, enfin, tu vois, bon. Est-ce qu'il y aura un live dimanche oui, oui, bien sûr, bien sûr, il y aura une soirée électorale sur ma chaîne, évidemment, bien sûr. La Première populaire, il n'avait pas de candidat, donc pas vraiment. Bah si, <laughs> si elle, elle, elle s'appelait euh, Christiane Taubira, elle n'a pas obtenu les 500 signatures. Quand est-ce que tu dors dans les trois semaines à venir, Jean Je vais essayer. C'est la finale des LEC euh, ce week-end Pourquoi Macron n'est pas venu sur Backseat Faut que tu lui demandes à lui, hein, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Euh... En même temps, le timing pour les 500 signatures était beaucoup trop court, ça ne faisait aucun sens. Euh, le timing... Oui, non, ce pas le timing des 500 signatures qui est trop court, c'est le timing de la, de, la, de la primaire populaire qui a désigné sa candidate très tardivement au mois de janvier, euh, ne lui permettant pas du coup de mettre en place une structure euh, suffisante pour aller récolter 500 signatures. Ça, je suis d'accord. Euh, tac tac tac. Alors, les amis, j'ai un article. Regardez, regardez, incroyable. Il y a un article qui est paru dans Le Monde. Jean Massier, Hugo décrypte. Brut, comment des nouveaux producteurs d'infos captent les jeunes sur les réseaux sensuels. Incroyable. Il, est publié, il a été publié hier. Il a été écrit par Léra et Ribarne journaliste au Figaro. Euh, on va le lire cet article quand même. Cocorico, regardez, regardez, il y a ma tronche. Là, il y a ma tête. Ils ont dessiné ma tête. C'est un dessin de. Anna Vanda Goguzet. Trop bien. Euh, donc Jean Massier, vous connaissez. Hein. Enfin, je crois que vous connaissez. C'est un, un, un mec euh, voilà, euh, qui fait des trucs. Euh, voilà. Hugo Describe, vous connaissez. Hugo lebro évidemment. Et Brut, Brut c'est le média de Rémi Buzine, évidemment. <laughs> Euh, les copains de Brut, que je suis allé voir d'ailleurs cette semaine, ça m'a fait plaisir. Comment de nouveaux producteurs d'infos captent les jeunes sur les réseaux sociaux Sur Twitch, YouTube et Twitter, les jeunes sont en quête d'une information condensée, instantanée et expliquée par des producteurs de contenu leur ressemblant. Je vous ressemble <laughs> euh, C'est le Hugo des Crips de Twitch, Jean Massier. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est la même personne. Euh, pour cette enquête de terrain, nul besoin de monter dans un train, il n'a fallu que quelques clics pour changer d'univers. C'est un mercredi après-midi sur Twitch, plateforme de diffusion de vidéos en direct, que rendez-vous a été pris avec Le Monde et le streamer Jean Massier pour clore une journée spéciale consacrée à la, aux jeunesses françaises à l'approche de l'élection présidentielle. Vous vous en souvenez, c'était un partenariat euh, entre ma chaîne et, et Le Monde le monde entier, euh, on avait fait un super partenariat trop cool où on avait interviewé des, des journalistes du monde pour, qui avaient écrit des papiers sur la jeunesse française à l'occasion de la présidentielle, c'était trop bien je suis né avant la chute du mur de Berlin l'URSS existait encore les enfants ironise Jean Massier, 33 ans qui se présente comme l'un des dinosaures de la plateforme MDR appelez-moi Denver <laughs> ok retraité avec le vieux monsieur, évidemment. Oh le boomer. Eh ouais ouais. Non non, mais je suis né avant l'URSS. Hein. Avant la chute de l'URSS, pardon. Mmh. <laughs> Limite mort de vieillesse, le gars. Eh ouais ouais, je suis un vieux monsieur. Euh... T'as déjà vu Lénine Ouais, je l'ai interviewé dans Baxid. Vous vous souvenez pas mais elle est nulle cette blague, on l'a fait à chaque fois avec, euh, comment il s'appelle, euh, Jean-Pierre El Elkabache. Jean-Pierre Elkabache qui a, qui a son première interview, c'était Ramsès II. vous vous souvenez pas euh, Mais cette blague elle est vieille comme, elle est vieille comme El Il faut arrêter avec cette blague. Pas vraiment je trouve, en vrai il y a des streamers qui tournent autour de, 30, de la trentaine maintenant, qui ont bien vieilli. Bah éteins les gars, ça fait 7 ans que je suis sur Twitch, hein. ça nous rajeunit pas toutes ces conneries. <laughs> Il est comment en vrai Jésus Il est chiant en interview. Langue de bois à fond. Il fait que des paraboles et tout. Très compliqué. <laughs> Normal pour un charpentier. Euh, donc du coup voilà. Euh, donc voilà, donc maintenant qu'il qu est établi que je suis un vieux, euh, écoutez-moi les enfants, écoutez-moi. <laughs> Afin de lancer la discussion, l'ex-collaborateur de cabinet de Marisol Touraine, qui était ministre de, euh, des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes entre 2012 et 2017, alors ministre de la Santé, interpelle son public pour savoir s'il se retrouve, s'il s'y retrouve dans cette drôle de campagne présidentielle étouffée par le fracas de la guerre en Ukraine. Sur le chat, les réponses des jeunes fusent. Parfois j'ai l'impression que ça parle de sujets qui, ne qui me dépassent et dont je ne comprends pas les enjeux. Pas d'infos claires, je suis perdu. Je pense que les émissions politiques à la télé sont faites par des boomers. Qui est-ce qu'a dit ça Dénoncez-vous. C'est qui le coupable Qui est-ce qu'a dit ça Vous avez vu, vous êtes épiés par des journalistes. Dénoncez-vous. Ah ouais, vous êtes vachement nombreux. Ah ouais, 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 ouais. ouais. <laughs> Ça vous aime, ouais, vous, vous finissez dans le journal Le Monde avec vos conneries <laughs> Comment je fais, moi, avoir pour, euh, après, pour avoir des partenariats avec des chaînes de télévision Si vous dites des conneries comme ça dans le journal. Contrôlez-vous un peu, merde <laughs> C'est pas beau la délation. <laughs> euh, vous pourrez dire à votre maman que vous êtes dans le journal. Regarde, maman, je suis dans le monde aujourd'hui. Euh, avec son t-shirt imprimé, bon, c'est un sweat, mais voilà, et sa barbe de plusieurs jours, je me suis rasé, hein. lové dans ce qui ressemble à son salon. Je suis à la race, hein, comme, ça, comme salon. <laughs> <laughs> c'est pas un salon ni une chambre, hein. c'est un studio de tournage, euh, voilà, je. Le fameux canapé. Vous rigolez, mais j'avais hésité à mettre un canapé là. Mais en fait, non. Je ne m'y serais jamais assis, donc c'est chiant. Par contre, là, je vais bientôt avoir un deuxième bureau. Euh, avec un autre PC que je mettrai pour, euh, pour bosser ou jouer tranquillou euh, quand je stream pas. C'est chiant de démarrer tout le setup à chaque fois. Avec des livres pour faire intelligent. Ouais, ouais, mais ça, c'est du décor, hein. je, vous l'aurez bien compris, c'est pas des vrais livres. Hein. J'ai fait, fait fabriquer ça par euh, un décorateur. Parce que moi je suis streamer, donc je suis un peu débile. Du coup, les livres, euh, voilà. Pour faire genre intelligent, euh, j'ai demandé, demandé à un décorateur de, de fabriquer des livres en carton. C'est un fond vert, <laughs> c'est un fond vert. C'est Villebroquin qui m'a prêté son studio. <laughs> Il y a l'argent des abonnés en lias caché dans les livres. <laughs> Est-ce que t'as d'une pour faire genre oh, Je dois bien avoir un spinoza qui traîne. Oui non je vous les ai déjà montré, c'est les derniers bouquins que j'ai Quartier Rouge Le plaisir et la gauche Sauvons le débat faut que je les range mais faut que je fasse de la place parce que vous avez vu les livres là, qui commencent à s'entasser là et puis par terre là-bas parce que j'ai plus de place nulle part pour les foutre donc il faut que un jour peut-être j'ai cru voir le code civil ouais il ouais, ouais, y a les codes de loi qui sont là les lois de la République attention c'est sérieux hein. merci Lord Pilus pour ton prime C'est encore ton sac The Event. Non, non, ma valise The Event, je l'ai balancée à la poubelle parce qu'elle est morte. <coughs> Vire les Dallos au pire. Bah, je vais pas virer mes, mes codes de loi. Non, bah, ils sont très bien. C'est mes souvenirs de l'époque où... <laughs> où je travaillais. Euh... Non, puis il y a, y, a y a le portrait là, de, de Yoshi. Yoshi euh, stylisé façon Obama. C'est à l'époque où euh, Jeux Vidéo, le, euh, le magazine, vais Le Mac, je crois que c'était JV Le Mac qui avait fait ça. Ils avaient fait une une euh, sur le thème de euh, les jeux vidéo et la politique. Qui était vachement bien, ils avaient fait un, jeu, un super bon jour Je crois que c'était un hors-série d'ailleurs, qui était super bien. C'était quand avais un vrai travail, c'était avant que tu fasses du divertissement. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Ton décor est-il républicain Bah, il y a Yoshi, donc oui, c'est bon. C'est bien, j'y vais le mag, mangez-en. Ouais, ouais, c'est vachement bien. On en était où avec vos conneries, là euh, Machin, machin, machin. Avec son t-shirt imprimé et sa barbe de plusieurs jours, levé dans ce qui ressemble à son salon. Merci, bisouille. Jean Massier a l'air a plutôt l'air d'un bon copain que d'un boomer du PAF. Alors, le PAF, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire le paysage audiovisuel français, le PAF. Euh, ça désigne la télévision. Je vous ai déjà raconté ce que c'était que la télévision à l'époque où ça existait encore. Euh, donc, on appelait ça le paysage audiovisuel français. Donc, toute chaîne confondue, le, le PAF, les présentateurs, stars, machin, etc. Euh, donc, voilà. Et PAF, le chien, exactement. Et PAF, ça fait des chocs à pic, exactement. PIF, Gadget, tout ça, c'est bon, vous avez fait toutes les blagues, on peut enchaîner C'est une expression de boomer. Ouais, ouais, ouais. ouais. Le PAF, c'est une expression euh... <laughs> de boomer. Moyenne d'âge de sa communauté 24 ans, avec 40% de 15-24 ans et 40% de 24-35 ans. Et une large majorité d'hommes. Twitch étant à l'origine utilisé pour suivre des parties de jeux vidéo. Lui sait donc parler aux jeunes. Depuis 2017, il veut rendre accessible une actualité politique qui leur paraît souvent complexe et jargonneuse, allant jusqu'à... Jargonneuse, c'est un mot qui désigne... Non, je déconne, c'est bon, ça va, je ne vais pas vous prendre pour des cons non plus. Allant jusqu'à commenter pendant des heures les séances de questions d'actualité au gouvernement, à l'Assemblée nationale, façon la chaîne parlementaire pour les nuls. Alors, pas pour les nuls, pour les gens. Bah, <laughs> pas... Voilà. <laughs> On est nul. <laughs> Mais non, vous êtes pas nul. Regardez quand les journalistes, <laughs> quand les journalistes du Monde vous demandent, vous leur répondez. Parfois, j'ai l'impression que ça parle de sujets qui me dépassent et dont je ne comprends pas les enjeux. Voilà. <laughs> oh les gros nuls. <laughs> je suis vexé. <laughs> je me désabonne du Monde immédiatement. Non, non, te non, non abonnez-vous au Monde. On a vu la dernière fois qu'ils avaient des problèmes d'électricité, en plus faut payer les factures, c'est important, abonnez-vous au monde. Je suis outré. Voilà, donc la chaîne parlementaire pour les. pour, pour, pour les gens, quoi. Hop là, pour les gens normaux. Euh, car selon le 35e baromètre de confiance dans les médias publié en janvier 2022, comme chaque année par Lacroix, euh, la rupture s'accroît entre la jeunesse française et le support de radio, télévision et presse écrite. Chez les 18-24 ans, l'intérêt pour l'actualité chute, passant de 51% à 38% en un an seulement. En un an Vous vous rendez compte Cette désaffection s'explique notamment par une perception négative du traitement médiatique des sujets qui comptent pour eux. Et oui, ils sont 68% a estimer que le dérèglement climatique est maltraité. De la même façon, les adeptes de Twitch regrettent que les grands titres s'intéressent si peu aux jeux vidéo. Et oui, malgré le fait quand même qu'il y a des titres qui commencent à bouger leur cul, hein, c'est vrai, non, non, mais c'est vrai, il faut reconnaître. Euh, Pixel, par exemple. Le truc du monde, je fais pas ça pour sucer le monde, hein, je les aime bien, mais euh, Pixel, ça fait des années qui, qui grignent petit à petit et qui propose un, un, un traitement sérieux des enjeux jeux vidéo euh, qui sort de juste le traitement à la con qu'on a eu pendant des décennies, euh, violence, addiction, violence, addiction, sexe, drogue, enquête sur le jeu vidéo et nos jeunes qui sont pervertis. Euh, donc Pixel, Libération aussi, ils font des trucs vachement bien. Euh, France TV. France, France, France Info, ils commencent à le faire avec Jules de heureusement qu'il est là, Jules putain. Euh, les productions d'Arte aussi ouais ouais l'équipe l'équipe ils ont commencé à prendre le sujet hyper au sérieux ils font un très bon, su ils font un très bon suivi l'équipe euh, mais bon là on est c'est marrant, on est en train de parler essentiellement de presse écrite et de radio euh, la télé c'est toujours pas ça hein. euh, donc voilà donc vous n'êtes pas content parce qu'on euh, parle, parle mal des jeux vidéo et on parle pas assez de et on parle mal de dérèglement climatique dans un contexte où l'actualité est à la fois dense et dramatique, après deux ans de crise sanitaire et face à l'urgence climatique, les 18-25 ans semblent bouder les médias dits traditionnels. À milieu d'un JT de 20 heures un peu surannée, euh non, pas un peu, carrément année, peu coutumiers d'une presse papier qui salit les doigts de leurs grands-parents, plutôt avides de clics, de scrolls, de snaps, <laughs> ou quand, comment, avec qui s'informent-ils Qui sont-ils les jeunes qui, qui, qui sont-ils Quels sont leurs réseaux qui, qui sont ces gens qui placent des pixels pendant trois jours euh... Pourquoi ils ne s'informent pas Pourquoi vous regardez pas la télé Alors qu'on vous dit qu'il faut la regarder, c'est important. Oh là là Vous êtes la cause et la conséquence de la crise de la démocratie. Bande de cons. <laughs> On est des losers, genre. <laughs> Je suis vraiment pas addict de snaps. De snap. Ouais, on sait que t'envoies des dick pics, ça va. Hein. Consentir, hein, j'espère. Y a plus de respect. <laughs> on en a marre de se faire prendre pour des cons. Ah, c'est pour moi que tu dis ça Je <laughs> suis désolé. Faut pas mal le prendre. Hein. Euh... J'assume de pas être un jeune pour le monde alors. <laughs> On en a gros. <laughs> On en a gros. D'accord. Bon, vous n'êtes pas content, d'accord. Pas content, pas content. Faudrait nous considérer en tant que tels. Faudrait considérer les jeunes en tant que tels. C'est vrai que c'est vrai. <laughs> Ça commencerait par ouais. Ils sont pas très gentils quand même. C'est pas parce qu'on est un peu con qu'on n'est pas humain d'abord. <laughs> Sous cette carapace de gros cons, il y a un petit cœur qui bat, d'accord Alors maintenant, euh, vous arrêtez. Hein. Je retourne placer des pixels. <laughs> vous êtes méchants. <laughs> I'm French Bot. Ouais, ah, salut les bots. La télé, c'est l'écran de la Xbox ou de la PlayStation Oui, oui, oui. La télé, c'est l'écran de la, de, la, de la Switch ou de la Xbox. Oui, oui c'est vrai. Ou de la PlayStation. Est-ce que j'ai le droit d'être dans le public alors que je suis plus vieux que toi Mais oui, t'as le droit. Bienvenue à toi. T'inquiète. De toute façon, la jeunesse, c'est un état d'esprit. <laughs> TF1, c'est pas une boisson <laughs> Si, si. Euh, du coup, on était où Alors, qui sont-ils Alors, comment vous Où, quand, comment et avec qui s'informent-ils je ne cherche pas, je prends ce qui vient sur Twitter et Instagram, décrit Léo Septier, 22 ans, étudiant en master d'écologie à l'université d'Angers, virtuellement rencontré, comme les autres jeunes interrogés, via la chaîne de Jean Massier. Ah, il y a quelqu'un dans le chat qui s'appelle Zéo. Salut Léo Salut Léo, merci d'avoir accepté de témoigner dans le monde. Big up à toi. Passez tous le big up à Léo. Euh, Léo, bah, si t'es là, big up à toi. T'as vu, t'es dans le monde. Bien joué à toi. Salut Léo, big up Léo, bienvenue à toi étudiant en master d'écologie à l'université d'Angers, virtuellement rencontré comme les autres jeunes interrogés via la chaîne de Jean Massier. Donc, dans quelques jours, il participera pour la première fois à une élection présidentielle. Félicitations Léo. Je ne sais pas encore pour qui je vais voter, dit-il. Je choisirai la personne qui place l'écologie en son centre puisque c'est mon domaine. Donc sûrement le candidat écolo mais j'ai oublié son nom. Je suis nul, il faut que je me renseigne. Léo, putain. Non mais Léo. Le candidat écolo c'est Noël Mamère. On l'a vu hier, on a regardé son clip. Pas compliqué. <laughs> Léo, tu déconnes. Non, mais en plus, Jado, je l'ai reçu sur Backseat et dans le débat du siècle. <laughs> Léo qui <te> choque <laughs> devant la France entière. Non, mais Léo, Léo en vrai, envoie-moi un DM et je t'invite euh, à venir dans les coulisses de Backseat. Euh, ça me fait plaisir. <laughs> C'est pas Nicolas Hulot. Non <laughs> euh, donc bon, donc Léo qui choque, c'est pas grave. T'inquiète pas, mon Léo, y a pas de souci. Je t'en veux pas. Ce sentiment d'incompétence politique génère une forme d'illégitimité à aller voter, explique Arnaud Mercier, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris Panthéon à Sass. Euh, c'est très vrai hein, ce que dit Arnaud Mercier. Bon, déjà, il est professeur de sciences de. Voilà, donc euh, moi, je ne suis pas universitaire, donc a priori, il a plus raison que moi. Mais le sentiment d'incompétence politique qui génère une illégitimité, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on lit à chaque fois que j'invite des invités de première partie sur Brexit. Vous le connaissez comme moi, ce sentiment d'illégitimité, se pas sentir légitime à parler de politique, à avoir une opinion et encore moins à l'exprimer à l'occasion d'un vote, c'est un, un sentiment qui est profondément ancré chez beaucoup de jeunes. Dès le départ, Jean Massier a voulu s'adresser à des jeunes éloignés de la politique. Alors il faudrait que je l'imite, Jean Massier. Je ne sais pas comment. Moi, bah, je suis nul en imitation. Jules, il le fait mieux que moi. Il faudrait que je prenne une voix de con un peu un peu pédante, là. Alors, vrais... Non, alors attends. <laughs> attends. Les vrais saoulés, fatigués, dégoûtés, qui disent qu'ils s'en foutent alors qu'ils sont curieux. Énonce-t-il dans une démarche de vulgarisation, il explique la politique dans tout ce qu'elle a de plus chiant et d'institutionnel, sans, sens sans sensationnalisme, jamais sous l'angle de la petite phrase. Son objectif pour les 150 000 membres de sa communauté les décoincer, les réhabiliter, les autoriser à avoir un avis sans être complètement calé sur le sujet. C'est vrai, je le tiens. C'est pas mal, hein Hum. Euh, donc voilà donc, euh, donc ce, ce Jean Massier là que, que je ne connais pas euh, qui dit qui voilà, qu s'adresse aux jeunes saoulés, fatigués, dégoûtés qui disent qu'ils s'en foutent alors qu'ils sont curieux expliquer la politique dont tout ce qu'elle a de plus chiant et d'institutionnel sans sensationnalisme et jamais sous l'angle de la petite phrase c'est pour ça que je passe des heures au parlement à vous présenter des séances euh, chiantes à mourir avec des vieux en costume cravate qui font des conférences de presse etc euh, les décoincés et donc mon but pour les, pour les membres de ma commu, salut la commu, abonnez-vous c'est de vous décoincer, de vous réhabiliter, de vous autoriser à avoir un avis sans être complètement calé sur un sujet. Voilà. S'il s'agit d'être plus pédagogue sur le fond, ces nouveaux producteurs de contenu d'information réinventent aussi la forme. En étant présents là où les jeunes sont déjà, de TikTok à Instagram, en passant par Twitch, YouTube, Snapchat et Twitter, selon le format souhaité, ils s'adaptent aux codes et aux outils de création de chacun de ces supports. Genre on est coincé. Décoince-nous. Euh, tu m'autorises à avoir un avis. Ouais, ouais, t'as le droit d'avoir un avis, ouais. Moi, avant d'écouter Jean Massier, je n'osais pas, pas aller voter. Merci Jean-Massier. Mais de rien. Moi je suis moi qui étais persuadé que tu faisais ça juste pour Pécho. <laughs> pas du tout. Attends, Jean Massier, je vais me laver, par le plus fort. Non mais. <laughs> eh, frotte bien, hein. Euh, genre le décoinceur, ouais ouais ouais. Non mais euh, attendez, qu'est-ce que je disais non, c je, non, je voulais réagir sur un truc que je trouve intéressant. Euh, donc c'est ces, ces nouveaux youtubeurs là, comme, comme, le, comme, comme ce fameux Jean Massier, qui, qui s'adaptent au code et aux outils de la création de, de création de chacun de ces supports. Je me suis toujours posé la question de savoir si notre rôle avec, avec, euh, avec Hugo, avec Rémi, etc., c'était de nous adapter au code. Je suis pas sûr qu'on soit toujours adapté au code. Je pense qu'on en a inventé aussi des codes. Non mais en fait, je vois ce que ça veut dire parce que oui, il y a une forme d'adaptation Twitch avec son langage, avec sa grammaire, etc. Mais Enfin, euh, moi, j'ai le sentiment d'avoir grandi avec ça. C'est une culture web dans laquelle je suis tellement euh, ancré depuis, depuis, depuis le tout début. Depuis 2006, je suis sur YouTube. Depuis, fin, tu vois. Ouais, c'est une appropriation plus qu'une adaptation. J'ai pas l'impression. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression de faire un effort d'adaptation. C'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est naturel. Euh, Hugo, la revue d'actu, la, la, la euh, les cinq actus du jour, etc. Il s'est il pas adapté. Il les a inventés, en fait. Moi, j'assume le côté détournement de code quand je me suis lancé sur Twitch en 2015 en disant, que je vais adapter les codes du jeu vidéo pour en parler de politique et commenter en direct, etc. Mais maintenant, la plateforme a évolué. Vous y étiez déjà... Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Non pas que je prenne mal le fait qu'on parle d'adaptation, mais qu'en fait, parfois, je me pose la question de savoir, mais en fait, on s'est pas adapté, on a été précurseur donc euh, on a inventé des codes. Et on n'est pas dans le mimétisme. Tu le vis, vis c'est normal pour toi, mais pour les boomers journalistes, c'est tellement éloigné qu'ils ne voient pas d'autre solution que s'adapter. Ah, comment tu parles de Léa et Ribarne garès Ce n'est pas une boomeuse. <laughs> est une Je crois qu'elle a la même âge que moi en plus. Hein. Ah mais on a déjà établi que j'étais un vieux dinosaure, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, alors après, encore une fois, et ça je comprends la journaliste euh, qui a écrit l'article, quand tu écris un article dans le journal Le Monde, tu ne t'adresses pas à des jeunes, tu t'adresses à un public qui pour beaucoup ne savent pas ce que c'est que Twitch, ni ses codes, ni machin, donc c'est normal, il faut faire preuve d'explication, de pédagogie, etc. C'est normal. <coughs> euh, on s'adapte toujours au public auquel on parle, c'est quand même la moindre des choses. Est-ce que tu dirais que c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes Non, non. Je pense que c'est surtout par rapport à Hugo qui fait des choses spécifiques à chaque plateforme. Ouais, je pense. Moi, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah tiens, justement, on y vient. Hugo Travers, alias Hugo Decrypt, 25 ans est maître en la matière, unique source d'information pour quantité de jeunes. Il arrose l'ensemble des réseaux sociaux de ses résumés d'actualité quotidien avec une lourde responsabilité, c'est vrai, et un débit mitraillette reconnaissable à des kilomètres. Oh, il parle pas aussi vite que moi. Hein. C'est Dieu sur l'Olympe. Oh putain, Hugo. Ça va, mon bro <laughs> Dieu sur l'Olympe. Observe Anne Cordier. Vous savez qu'Hugo décrypte, on n'a pas le droit de le regarder dans les yeux. Hein. <laughs> non, je déconne, il est super sympa. Euh, en tout cas, c'est Anne Cordier qui le dit. Professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine. Euh, alors moi, je suis un vieux dinosaure, c'est ça moi je suis un dinosaure et, euh, et... et Hugo c'est Dieu, ok, super. Ça va, hein. c'est pas... pas parce qu'il a plus d'abonnés que... C'est bon. Hein. <laughs> Ma jalousie, mon complexe d'illégitimité là-dedans, j'en fais quoi <laughs> Ça va aller. Non, je le prends mal faut que tu te lances sur TikTok pour devenir dieu, Pff, compliqué. Non, puis en plus moi je suis plutôt ni dieu ni maître donc euh, c'est bon, on a foutre. Observe un Cordier donc euh, hein. il est emblématique de tout ce que les jeunes recherchent, une info condensée, instantanée, expliquée par quelqu'un de sympa. Il a une stratégie marketing parfaite. Non sans fantasme, son public a une impression de proximité et de spontanéité alors que tout est hyper préparé. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Bah après, je, après, il le cache pas. Hugo, il a déjà fait en plus sur Twitch. Il avait lancé les conférences de rédac en ligne et tout. Enfin, ça se voit qu'il bosse. Il a une équipe autour de lui. Ben il débarque pas face à sa cam avec son petit iPad en disant ouais, j'ai lu deux trois trucs aujourd'hui. Il travaille beaucoup mieux que Jean Massier, par exemple. <laughs> non, mais c'est. Enfin, vous le savez quand même qu'il y a du boulot derrière. Vous vous rendez compte quand même qu'on travaille pour vous. Vous le savez. C'est quoi cette histoire de fantasme Non, mais c'est en rapport au fait que je vais vous décoincer ça. Non, laisse tomber. Oui, mais c'est un jeune, pas possible qu'il travaille. Ouais, en plus, il est en suite. Ça va, on les connaît. Hein. Le travail, c'est costume-cravate. <laughs> euh, Décoince-moi. <des, rire> c'est pas un hobby Twitch pour toi Si, c'est une passion. C'est une grande passion. Euh... Comment ça tu travailles avec... T'es toute la journée devant ton ordi Ah non, c'est pas un vrai travail. Je l'ai toujours dit, hein. c'est pas un vrai métier. Euh... Donc bref, bon, il y a peut-être une partie de son public qui effectivement pense que parce qu'on parce qu est en suite et qu'on est sympa et qu'on tutoie les gens et que c'est bonne ambiance, que du coup, il n'y a pas de boulot derrière. Alors qu'en fait, c'est très préparé. Ça peut donner une impression de proximité. C'était euh, Cyrus Norse qui avait fait une très bonne vidéo sur les relations parasociales là-dessus. Euh... Donc ouais, bon bref, euh, pour certains décrocheurs de l'info, Hugo, pour les intimes, permet de raccrocher les wagons. C'est l'histoire de Catel Cabon, 21 ans, aujourd'hui, qui, regard... qui regardait au moins le JT sur M6 pendant le dîner avec sa mère. J'apprenais des choses sans être sûr que ce qu'on me montrait était vraiment vrai, raconte-t-elle. Ah oui, donc en plus il y a de la défiance. Peut-être qu'on accentuait certains points pour faire peur. Je n'avais pas trop confiance. Lorsqu'elle est partie vivre seule à Nantes pour son BTS audiovisuel, elle a claqué la porte des médias. Je ne m'informais plus du tout. J'étais comme coupé du monde. Je me disais, est-ce que c'est si grave de louper des trucs Il y avait un vrai JT sur M6. Ouais, 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 pendant longtemps, M6, ils avaient un, ils avaient un JT qui faisait à 19h50 en plus, je crois, de mémoire. Euh, c'était le JT avant le 20h, c'était plutôt bien fait. Bah, c'était un petit JT parce qu'ils ont, ils ont toujours eu moins de moyens que les grandes rédactions de France 2 et de TF1, mais... Euh, 19h45. Oui, 19h45, 19h45, pardon. Le 6 minutes. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, c'était avant, avant la TNT, c'était à l'époque où il n'y avait, avait, avait que 5 chaînes. Pour ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer canal. <laughs> euh... Maintenant ils ont un vrai journal. Ah oui ils ont un vrai journal M6 oh. Ça fait un milliard d'années que j'ai pas regardé M6. Je pas ce qu'ils deviennent. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font M6 Déjà la télé je regarde plus mais alors M6 Top Chef Ah Top Chef c'est sur M6 D'accord 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 Ah bah oui ils sont fait racheter en plus Ils ont été rachetés par TF1 Ah oui c'est vrai j'avais appris ça Ah non mais je suis totalement largué hein. Ouais ouais euh, du coup voilà il y, a deux, il y a deux ans au début de la crise sanitaire katel cabon a voulu sortir de sa bulle c'est là qu'elle a commencé à suivre la chaîne youtube du Godecrypt une fois hameçonnée elle a diversifié ses sources de jean massier merci katel ça me fait plaisir euh, à quelques reportages sur arte et aussi les titres gratuits sur l'appli france info je me méfie dans tous les cas précise t elle attends je me méfie dans tous les cas Précise celle qui hésite à voter pour Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon. Aucun média n'est neutre. Il faut les prendre avec parcimonie. Ok. Pour Anne Cordier, l'enjeu est à l'heure démocratique. Il est compliqué de faire comprendre que l'objectivité des médias n'existe pas. Les jeunes font davantage confiance et se sentent moins manipulés quand ça semble à la cool. Streamers, youtubeurs et autres TikTokers jouent, aussi, jouent ainsi de leurs imperfections et travaillent leur naturel. Le sweat à capuche. Et le nouveau costard cravate de celui qui présente l'information. Let's go. Hey, vous savez que c'est beaucoup de travail hein, pour paraître complètement à l'arrache comme ça. Avec, euh, avec la tronche, parce qu'en fait c'est du maquillage. là. Tu sais, vous me voyez parfois que j'ai des problèmes de peau, j'ai des rougeurs à côté du nez et tout. Euh, Je suis mal rasé, machin, j'ai une coupe de cheveux qui ressemble à rien. C'est énormément de travail. En fait à côté il y a toute une équipe là de maquilleurs. Euh avec qui on fait des essais, maquillage avant chaque live. Euh, on on, J'ai une garde-robe avec une, une responsable des costumes d'ailleurs, euh, avec qui on choisit avec soin euh, le pyjama dégueulasse avec un gros trou de boulette dedans, euh, le suite un peu naze promotionnel que j'avais eu avec la fondation 30 millions d'amis. Euh, voilà, ça, 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 ça se travaille le naturel. Hein. Pas croire. Hein. <laughs> T'es un suite manager. <laughs> Le coiffeur qui graisse les cheveux. Ah ouais, j'ai un coiffeur qui graisse les cheveux, ouais. <laughs> euh, donc, ouais, ouais, non, on travaille le naturel. Euh, non, mais peut-être, en vrai, peut-être, j'en sais rien, j'en rigole, mais en vrai, si ça se trouve, c'est possible. Je, je... Ça me paraîtrait lunaire de me présenter face à vous avec un, une chemise rentrée dans le pantalon. Enfin, je. Je, je, je... je... je trouve ça absurde. T'es un manipulateur, finalement. Eh ouais, on, on nous ment. Merci, Enriching Max. Merci beaucoup. Pour ton sub. Euh... Je le prendrai très mal. Un jour, il faudrait que je vous fasse un stream en costume cravate. Euh... Parce que là, t'es en pantalon. Oui, aujourd'hui, j'ai mis un pantalon. Bon, par contre, je suis en chaussette. Hein. Mais euh, aujourd'hui, j'ai mis un pantalon. Estimez-vous heureux, hein. j'ai mis un pantalon aujourd'hui. <laughs> Non mais parce qu'en fait, bon, au début je voulais rester en pyjama comme d'hab, mais euh, j'ai voulu aller acheter des clopes euh, au tabac en bas, mais euh, en mettant mon manteau pour descendre, je me suis rendu compte qu'il me restait un paquet plein dans mon manteau. Du coup j'ai enlevé mon pantalon, j'ai enlevé mon manteau, mais euh, j'ai eu la flemme d'enlever mon pantalon, du coup j'ai lancé mon stream. Il a un pantalon, je trouve snob aujourd'hui. Parce que d'habitude, on est à un sursaut du ban Twitch. Mais non, mais non, mais non, non, je mets, des... Je mets des... Des... des pantalons de pyjama ou des suites. Mais d'ailleurs, attendez, parce qu'on en rigole, mais regardez. C'est là que tu vois que Twitch, ils sont bons. Hein. Twitch, ils ont lancé un shop. Je ne sais pas si vous avez déjà allé sur le shop de Twitch. Mais il y a toute la panoplie du streamer, en fait. Ils ont parfaitement compris quel était le, <laughs> le public. Donc, c'est que des sweats, des t-shirts et des pantalons de jogging. Voilà, c'est le shop Twitch. Des chaussettes, euh... ah, il, il, des manteaux aussi. Je sais pas pourquoi ils vendent des manteaux alors qu'on sort pas dehors. Veux dire les streamers, euh... veux dire, ça, ça se saurait quoi. Euh... Et moi, j'avoue, j'avoue, j'aimerais bien me choper. Euh... Je sais plus. Attends, ils avaient un pyjama qui était trop cool. Le coussin, je le kifferais trop. Il faudrait que je l'achète. J'aimerais je bien m'acheter le zipper là, celui-là ou celui d'à côté. Et surtout ce pantalon là. C'est à peu près tout. Non, c'est celui-là, c'est celui-là que je voulais. Par contre, ça coûte rush. Hein. Donc bref, donc, voilà, donc ça c'est le shop. <laughs> Twitch, voilà, ils, ils, savent, ils savent qui c'est. Les... Voilà, c'est le costume cravate du 21 e siècle. Ou alors, il y a... Ouais, Ponce aussi, hein. il a fait son shop, euh, c'est tout pareil. Le hoodie du The Event, ah, celui-là par contre, je l'ai toujours. Hein. Ah oui, attendez, il faut que je vous montre pour ceux qui n'avaient pas suivi ça. Voilà, ça c'est le, le, le hoodie du, du The Event que l'équipe de Twitch nous a offert à tous les participants du The Event. Merci, Naotech. Merci, les copains de Naotech qui, euh, qui lancent un raid avec 115 personnes. Bienvenue à vous. On est en train de lire un article du Monde qui parle de moi. Oh putain. Oh, le melon du mec. Alors, bienvenue sur ce stream. Euh, je lis des articles euh, uniquement quand il parle de moi dans le journal Le Monde. <laughs> euh, donc voilà. Donc j'étais en train de vous dire, euh, voilà. Donc là, si voilà typiquement euh, euh, bah, euh, Twitch qui nous a offert ça, ils ont parfaitement compris qui on était. Je veux dire, c'est un, un, un truc en pilou-pilou d'une douceur incroyable. Tu te mets dedans euh, pendant l'hiver, etc. Et c'est super agréable. C'est extrêmement agréable. Par contre, ça, ça fait une chaleur à crever. Ça tient, mille, ah ouais, ça tient mille fois trop chaud. <laughs> c'est Vraiment, c'est température elle monte dedans hyper vite. Euh, mais donc voilà. Il a l'air incroyable. Il est, il est fou. Il est vraiment fou. Il est, vraiment, il est tout doux. quoi Tu peux éteindre le chauffage. Ah bah avec ça, ouais. Euh... Et je sais pas s'il est en vente. Non, je crois pas. Je crois que c'était une édition limitée juste pour les streamers du The Event, non Je sais pas. Tu peux enlever le pantalon, ouais, du coup, ouais. Tu ressembles à un pingouin, bah ouais. Merci, Blob 59. Par contre, c'est moche. Ah, c'est très, très moche. Ouais, c'est limité, merci. Ouais, ouais, non, c'est limité. C'est limité. C'est une édition limitée. Euh, il n'est pas en vente. Donc, ouais, c'est ça, il a été offert. C'était le cadeau spécial The Event l'année dernière. Euh, donc, impossible pour vous d'en avoir un, j'en suis désolé. J'en étais où du coup On était en train de parler de fringues, de machin, de, de. Oui, c'est ça, le naturel. Euh... Alors, tac. Le suit à capuche est le nouveau costard cravate de celui qui présente l'information. La proximité se traduit par une incarnation. Mais je ne raconte pas ma vie nuance Hugo travers. Ça tient à l'approche qu'on a de notre travail, avec une forme de transparence et d'horizontalité. Je peux dire qu'on n'a pas eu le temps de traiter tel sujet, assumer certaines erreurs, être à l'écoute des retours qu'on a. Tout cela juste sur la confiance. C'est vrai qu'Hugo, pour le coup, il est beaucoup plus dans la retenue que moi. Alors, déjà que moi, je ne m'épanche pas énormément. Euh, mais Hugo, il raconte beaucoup moins sa vie que moi. Moi, je ne la raconte pas non plus plus que ça. Moi, je, moi, je traîne souvent chez des, sur des streams de, de copains et de copines qui sont streamers et streameuses, qui racontent beaucoup plus leur vie que moi, qui, qui, qui racontent leur vie perso, leurs expériences de vie, de machin, etc. Ce qu'ils ont mangé au resto le week-end, avec qui ils sont sortis, etc. Donc, très cool, ils ont le droit de le faire. Euh, moi, je ne vais pas jusque-là, parce que je garde quand même euh, ma vie privée. Et je, et je, voilà, je, je fais mon truc dans mon coin. Mais euh, c'est vrai que je, 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 je vous parle un petit peu plus de moi, quand même, tout, un tout petit peu plus. quoi Hugo, pour le coup, très très peu. Hugo, il est vraiment dans la retenue. Euh, et je pense qu'il a raison, ça marche. Moi je sais que je vous fais fuir à chaque fois que je vous parle de ma vie, donc il faudrait que j'ai la stratégie du Hugo euh, Voilà. On sait que t'as des clopes dans tes manteaux. Oui, <laughs> voilà, c'est ça. Merci oxytocine 97. Oui, genre typiquement Hugo il raconterait jamais des anecdotes à la con du genre j'ai voulu acheter des clopes et en fait il m'en restait quoi. Mais c est, c est pas, voilà, c'est pas la même relation à, à son public, ça fonctionne pas comme ça. Euh, donc voilà, idem pour Jean Massier. Ah, il faut que je l'imite encore. Euh... On va changer la tonalité. Idem pour Jean Massier. Je passe mon temps à me descendre d'un piédestal. Je leur dis que moi non plus, je ne fais pas de sport, que moi aussi je suis parfois largué sur l'Ukraine. La télé et la radio, ils trouvent ça fake, surfait et surjoué. De même que la posture des politiques et cette éternelle prime à la caricature. Avec nous, ils ont ce sentiment d'appartenance à une petite famille qui leur ressemble. Revendique le Twitcher. Alors on dit pas Twitcher, hein, ça je suis désolé. Euh, on, on, a, on, a, on a voté en Assemblée Générale d'Internet. Vous savez, avant de mettre des pixels, là, on a, on a voté et on a rappelé la règle. On ne dit pas Twitcher, on dit streamer. Euh, mais c'est pas grave, ça fait boomer de dire Twitcher. Je ne reconnais pas la voix. Mais si c'est Jean Massier, tu reconnais pas Putain, Je suis nul en imitation, je suis désolé. Euh, bon, mais blague à part, parce que du coup, parce que moi j'ai le retour dans les oreilles, du coup je ne comprenais pas ce que je disais, tellement c'était débile cette voix. Je passe mon temps à me descendre d'un piédestal. Je leur dis que moi non plus, je ne fais pas de sport. <laughs> comme vous. Je suis un gros tas comme vous. Que <laughs> moi aussi, je suis parfois largué sur l'Ukraine. L'Ukraine, c'est à côté du Brésil, c'est ça. Ouais, ça. Euh, la télé et la radio, ils trouvent ça fake, surfait et surjoué. De même que la posture des politiques et cette éternelle prime à la caricature. Avec nous, ils ont ce sentiment d'appartenance à une petite famille qui leur ressemble. Eh, hey, c'est la famille Ça va la mif Académie française intensifies. Oui, <laughs> c'est ça. Euh... Je fais du sport, je me sens exclu. Non, par contre, j'ai mille fois trop chaud. Je suis désolé, je vais, je vais le retirer. Il y a une chaleur dans ce truc. Attendez, je travaille mon naturel. Oh. Euh... Donc du coup, voilà, on a ce sentiment d'appartenance à une petite famille qui, euh, qui leur ressemble. Je ne sais pas si c'est un sentiment que vous partagez, le fait d'avoir une commu. Alors c'est vrai que moi, je ne suis pas celui qui assiste plus sur la commu. Hein. Je suis pas le streamer qui en fait le plus des caisses sur, euh, sur, euh, sur la commu avec les blagues internes à la commu. Alors, si, on a des blagues à la con interne à la chaîne, c'est vrai. On a des emotes, on a des trucs débiles. Mais euh, pas tellement. Justement, je trouve il y a plusieurs commus qui regardent tes streams. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je, je, je pense qu'il y a des communes qui sont plus fortes que la... Que la enfin, plus fortes, plus, plus intenses et plus intégrées. Que la mienne, pour une, raison, pour une raison aussi qui est du fait que, comme je, comme je donne peu mon, mes opinions politiques dans, dans, dans mes analyses, c est, c est, c est, on est moins dans une communauté de. dans, dans une communauté de. comment dire de qui partagent des idées politiques, donc ça, ça n'aide pas à l'identification en termes de communauté. De militants, ouais, c'est ça. Je sais pas, je trouve ça très mal exprimé. On regarde pour le côté naturel, je pense plutôt que la télé ultra codifiée. Bah, c'est exactement ce qui est expliqué dans l'article. Il y a aussi différents levels de commu. Twitch FR, on a un streamer particulier ou un groupe de streamers Web TV. Ouais. Alors du coup, je suis dans quel groupe moi <coughs> euh... Mes streamers avec sentiment familial, c'est des sessions avec moins de 100 spectateurs. Là oui, ça fait famille. Ouais, alors je suis d'accord avec toi. C'est vrai, euh, vrai que pour le coup, moi ça fait 7 ans que je suis sur cette plateforme. J'ai commencé, j'ai streamé devant 5 viewers pendant un an. Donc, euh, donc j'ai commencé tout en bas et j'ai grindé petit à petit. Donc j'ai bien vu les différentes étapes. Effectivement, l'aspect communauté peut être beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant quand t'as moins de viewers. Euh, mais des viewers euh, ultra habitués. Mais en fait, c'est pas vrai parce qu'avec le temps, il y a de plus en plus de gens, mais de plus en plus ultra habitués. Alors c'est vrai que ça peut distendre un peu le truc, mais. Je mmh, sais pas. Started from the bottom, now we're here. Ouais, c'est ça. <laughs> tu es capable de grandes choses. C'est Dwagby qui me l'a dit, alors euh, moi j'ai écouté. Hein. Euh, perso, en arrivant ici, je me suis senti exclu comme d'autres streams auxquels j'ai dû m'adapter plus lentement. Ah ouais il y a des gens ah oh putain ça, ça, ça c'est chiant s'il y a des gens qui débarquent dans la chaîne et qui se sentent exclus c'est dommage t'as oublié le pas ah pardon en arrivant ici je me suis pas senti exclu ah d'accord comme dans d'autres streams où j'ai dû m'adapter plus lentement d'accord ok 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 pardon j'avais mal lu quelle erreur du streamer français faute professionnelle putain c'est dans le métier ça c'est écrit dans les conditions générales d'utilisation de Twitch tu dois bien lire les messages dans le chat Euh, donc ouais ouais non d'accord ok je comprends euh, Je comprends je comprends bah écoute non mais tant mieux du coup tant mieux <laughs> C'est la glissade euh, Non mais d'accord ok il fait des erreurs pour faire croire qu'il est comme nous, mais il ne nous dit plus, faites attention. Mais oui, en fait, c'est scripté. C'est scripté. Depuis tout à l'heure, en fait, j'ai un, un déroulé de l'émission que j'ai préparé ce matin, avec chacune des blagues, avec le, le son là, que je vous fais, les, les... les imitations de voix. Ah, bah, en fait, j'ai écrit ça, j'ai un monteur audio qui m'a préparé les, les assets. Tout est écrit, putain... Euh, non, je déconne. Même nos messages sont commentés, ça y est, c'est fou. Hein. <laughs> C'est un montage. En fait, il y a une équipe de... Eh, hey, coupé, on peut la refaire je, je me suis planté là sur un message dans le chat. On, on peut retourner la séquence <laughs> Oh, le bot streamer, ouais. T'as un bot pour les commentaires, <laughs> oui, c'est ça. Ouais, J'ai une équipe commentaires qui me... En fait, là, je ne lis pas du tout le chat. Hein. J'ai une équipe commentaires qui m'a préparé des faux commentaires que je vais lire au fur et à mesure de l'émission en faisant croire qu'ils sont du chat. C'est les bots français, hein. c'est les mêmes qui placent des pixels, hein. ils font des commentaires scriptés. Euh, BFM Style, ouais, c'est ça. On n'est même pas payé, c'est des bots bénévoles. Euh, donc du coup, j'en étais où Avec vos conneries, là, putain, mais vous me déconcentrez, on est en train de lire un article, on est sérieux sur cette chaîne, c'est écrit, écrit dans le monde que c'est sérieux. Il euh, y a des gens sérieux qui regardent ces streams aussi. Hein. Attendez, vous m'avez fait perdre le fil. Oui, c'est ça, on parlait de la famille qui leur ressemble, tout ça, la mif, tout ça, on a fait la blague. Alors, ce n'est d'ailleurs pas une coïncidence si ces producteurs ont tous eux-mêmes moins de 35 ans. Ils représentent des figures d'identification possibles, analyse Arnaud Mercier. Ce ne sont pas des Jean-Pierre Pernaud. Merci Arnaud, ça me fait plaisir. Il n'y a pas un écart d'âge tel qu'on n'arriverait pas à se comprendre. Et ça, je suis assez d'accord. Hein. La proximité d'âge. Permet l'identification. La scène. Ouais, non, mais c'est bon. Enfin, je veux... Oui, d'accord. Excusez-moi, il n'y avait pas écrit dans le script qu'il fallait changer la scène. Euh... Samuel Etienne. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Samuel Etienne, c'est le contre-exemple. Il n'est pas de la même génération que son public, mais il réussit quand même. Ouais, donc c'est la preuve qu'en fait, ce n'est pas indépassable, les questions d'âge. Ah moi, c'est pareil, j'ai 33 ans, mon public il a 24 ans en moyenne. Euh, on pourrait aussi me rétorquer que j'ai pas exactement la même euh, moyenne d'âge, et c'est vrai. Mister MV, le, le roi, évidemment. Euh, donc, ce n'est d'ailleurs pas une coïncidence si les producteurs sont rien, ils représentent des figures d'identification possibles. Ce ne sont pas des gens pierre Pergnot, il n'y a pas un décart d'âge tel qui n'arriverait pas à se comprendre. Ça, je suis assez d'accord. Le média brut, créé exclusivement pour un usage sur les réseaux sociaux, l'a bien compris. Avec 14 millions de spectateurs touchés en France quotidiennement sur l'ensemble de ses plateformes, dont 70% de moins de 35 ans, le média 100% vidéo euh, aimante la jeunesse depuis 2016. On essaye d'avoir une approche humble et directe pas descendante, avec des jeunes journalistes qui ont une façon de raconter les choses qui touchent l'audience qu'on vise, explique Laurent Lucas, directeur éditorial de 45 ans. Dans sa rédaction, les journalistes ont 28 ans en moyenne et se concentrent sur des sujets qui résonnent auprès de cette génération, le féminisme, l'écologie ou encore la santé mentale. Sans faire de jeunisme, on a cette obsession de s'adapter en permanence aux évolutions des plateformes, mais aussi de la société, martèle Laurent Lucas. Une version 2.0 de la pensée emblématique du théoricien de la communication Marshall McLuhan, le message c'est le médium écrivait le Canadien en 1964. Dans son économie de l'attention, Brut jongle ainsi entre des formats très courts ou très longs, sérieux ou légers, qui cohabitent avec leur contenu calibré pour les marques. C'est vrai que c'est assez intéressant, parce que pour le coup, euh, j'en avais parlé avec des gens qui bossent chez Brut, bon, j'en ai parlé avec Laurent Lucas, mais surtout avec Thomas et avec d'autres, c'est qu'en fait, Brut, euh, c'est un média qui a essayé à un moment de lutter contre sa propre caricature. Vous vous souvenez, les vidéos à la Brute connaissez le format à la brute, le truc avec le, le sous-titre, l'espèce de truc rythmé, machin, etc. Ils ont littéralement, là encore, ils se sont pas adaptés à un format, ils ont inventé un format brut. Euh, et du coup... Il y a un moment où ils m'ont dit, euh, ils m'ont dit, tu sais, on, on est en train de travailler, de réfléchir à faire évoluer Brut de manière à arrêter de ressembler trop à Brut. Il y en a marre euh, de, cette, de ce phénomène d'identification. Il faut qu'on il faut qu dépasse ça et c'est pour ça qu'ils ont lancé leur format de documentaire long avec l'extraordinaire Charles Villa euh, qui fait des formats hyper longs avec euh, Rémi Buisine et ses lives aussi. C'est c'est venu quand même un peu avant, mais euh, mais donc c'est un peu intéressant quoi. C'est un peu intéressant cette volonté de, de Brut de toujours chercher à s'adapter et à pas rester sur un truc genre c'est bon, on a inventé un format, on a identifié, on focus là-dessus. Euh, non, ils évoluent tout le temps. Donc il est possible qu'un jour Brut continue à évoluer, euh, se lance sur Twitch à sa manière, etc. Euh, moi je serais ravi de les aider hein, d'ailleurs s'ils veulent faire ça. Mais, mais, mais je trouve ça intéressant de. J'aime bien comment Brut cherche à se réinventer en permanence. Ça je trouve ça cool. Proposer des nouveaux formats, s'adapter, changer, etc. Euh, Brut, c'est comme Combini. Ouais, Combini, historiquement, c'est un des concurrents directs de Brut. Combini, Loopsider, euh, AJ, etc. Il y, y en a plein. Mais maintenant, maintenant Brut a été dépassé par, par Brut. Ils, le, 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 les vidéos à la brute, tout le monde en fait tout le temps. C'est extrêmement pénible. Même les candidats à la présidentielle, c'est voilà, devenu un, un gimmick d'identification très impressionnant. Quoi. Mais, euh, mais voilà. Euh... Hop A tout juste 17 ans, le lycéen Matteo Ishak Bouchaki ne pourra pas voter à l'élection présidentielle. Ce ne l'empêche pas d'être suivi par près de 60 000 personnes sur son compte TikTok La Politique de Math, qui a le meilleur programme concernant qui a le meilleur programme concernant les droits LGBTQI, les violences sexistes et sexuelles, le climat, face caméra, le bordelais, décortique, les propositions des candidats dans des vidéos d'une petite minute. Il a déjà interrogé Christiane Taubira, Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau. Il n'hésite pas à nommer son gouvernement idéal s'il était Premier ministre. Ah, je n'ai pas vu ça. J'avais envie de politiser les 15-20 ans qui ne le sont absolument pas, surtout sur TikTok, où ils peuvent tomber sur mes contenus par hasard. Ça, il a raison. Pour le coup, TikTok a cet, a cet aspect assez impressionnant où l'algorithme te permet aussi de, quand même, de tomber sur des contenus euh, auxquels tu t'attends pas forcément. Bah, je dis ça alors qu'il est quand même très restrictif. Hein, l'algorithme le, le, de, de TikTok, il t'enferme assez vite. Mais c'est vrai qu'il y a toujours moyen de tomber sur des contenus que tu connaissais pas avant. Ce qui est un peu la force de TikTok par rapport à d'autres euh, plateformes. Cette logique du clic correspond à une consommation de l'actualité plus, plus versatile et décousue, selon les termes d'Arnaud Mercier, dépendante des algorithmes et des réseaux sociaux. Des algorithmes des réseaux sociaux. Du rendez-vous fixe et organisé des grands-parents, le facteur vient chaque jour à la même heure avec le journal les jeunes passent à une démarche moins volontariste et, et systématique. Ça se fait par à-coup sur son portable, dès qu'on a un moment de libre, selon les hasards des plateformes. Hop, je clique sur tel lien, puis sur celui-là, façon maradou, marabout, bout de ficelle, celle de cheval. Non, je vais pas vous chanter la chanson, calmez-vous. Illustre Arnaud Mercier. Au risque d'obtenir une bouillie informationnelle, le pire côtoie le meilleur, avec un contenu global très hétérogène qui peut porter à confusion. Ouais, ouais. J'ai l'idée. C'est le risque du. C'est le risque du. du... Ouais, du snacking comme on dit, ou en fait euh, un contenu euh, complotiste de merde, euh, tu, vas le, tu vas lui consacrer autant de temps et d'attention qu'un contenu derrière qui a été fait par des journalistes, etc. Ouais, je comprends l'idée, je comprends l'idée de la bouillie euh, informationnelle. En même temps, euh, ouais, il y a aussi des contre-exemples. Hein. J'en parlais tout à l'heure, les formats longs, ça marche. Regardez mon stream là, ça fait une heure et demie qui dure. Euh euh, les formats longs euh, à sa manière aussi il euh, y a aussi des rendez-vous moi j'ai une prog de la semaine Backseat c'est tous les jeudis à 19h30 euh... Pff, on en parlait euh, Brut ils font aussi du docu donc euh... ah, vous êtes vraiment en train de le faire là somnambule, Bulletin, euh, bulle Tintamarre Marabout, Bout de Ficelle Je voulais, ouais, fait, faites ce que vous voulez ou alors ça laisse place aux petits médias indépendants d'avoir un peu de présence ouais 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 non, mais je comprends, je comprends, je comprends. Via Brut, Combini, Loopsider ou encore Blast, les jeunes restent friands de sujets qui mêlent divertissement et actualité. Il n'y a pas de raison d'isoler leurs pratiques par rapport aux autres générations. Nous sommes tous soumis à un flux, nuance Anne Cordier. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord avec Anne Cordier. Putain, ça fait plaisir quand il y a des, des gens qui disent ça. Il n'y a pas de raison d'isoler leurs pratiques par rapport aux autres générations. On est tous soumis à un flux. Je suis complètement d'accord avec elle. La difficulté, c'est la réception fortement individualisée. Une info non accompagnée peut être mal reçue en matière d'évaluation, mais aussi de charge émotionnelle trop forte ou anxiogène. Ils ont besoin de médiation pour sortir de la boucle enfermante du scroll et trouver les clés qui leur manquent. C'est pour ça que je fais ma chaîne. Let's go. C'est pour ça que je fais ma chaîne. Eh bah, bien très bien, tant mieux. Jordan vingt 22 ans, est entré à l'école 42, dont le fondateur Xavier Nel est actionnaire à titre individuel du Monde, à Paris sans le bac. Après plusieurs années de foyer dans le Vaucluse, après, après plusieurs années de, de foyer dans le Vaucluse, d'accord. Au foyer, on n'avait pas accès à Internet, raconte cet as de l'informatique. Je lisais La Provence, que les éducateurs recevaient chaque matin. Aujourd'hui, il s'informe avec la revue de presse de Jean Massier. Let's go Comment tu t'appelles Jordan Ayash, bienvenue à toi, big up euh, il s'informe avec la revue de presse de Jean Massier sur Discord, mais aussi grâce au réseau Slack de son école, qui a un canal pour le partage d'articles. Oui, d'accord, ok. D'accord, d'accord. Sur l'Ukraine, je suis confus, ça va trop vite, souffle-t-il. Parfois, j'ai envie de dire pour que je comprenne est-ce qu'on peut juste faire pouce Voilà, donc, pour cet article de Léa-Héry Barnegaret. Article, donc, qui s'appelle Jean Massier, Hugo décrypte brut, comment des nouveaux producteurs d'infos captent les jeunes sur les Rasins Anciens euh, il est chouette ce, cet article. Il dit beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses. Mais euh, mais il est chouette. Il me paraît. Euh, il me paraît euh, non, je sais pas. Bof. Ah ouais, t'aimes pas Bon non, moi je le trouve bien cet article. Ouais, je, je le dis bien. Je, je le trouve bien, notamment parce que son titre commence par Jean Massier. Tu comprends que d'un point de vue purement orgueilleux <laughs> Non, je ne sais pas. Il fait beaucoup passer les viewers pour des cons, je trouve. Ah ouais, tu trouves Bon, non. Il, est, il, est, il les prend euh, avec honnêteté. Oui, tu veux dire qu'ils appuient le trait de... Ils appuient, le, ils appuient sur le trait de euh, on n'y comprend rien à l'actualité politique. Heureusement que Jean Massier, il est là pour nous aider. Oui, oui, je vois ce que tu Ok, d'accord. J'ai l'idée. Mais bon... Moi aussi, j'ai ressenti ça. D'accord, ok, ok, ok. Euh... T'as dit dans l'article je me fais descendre du piédestal en permanence, t'as pas le droit d'être orgueilleux. <laughs> ouais, mais dès que je coupe la caméra, je remonte sur mon piédestal. Hein. <laughs> euh... Non, je sais pas. Regardez en tête. Gardez en tête le lectorat à qui s'adresse cet article. Je trouve que ça dépeint pas trop mal non plus les nouveaux modes d'information de notre génération. Oui, 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 c'est ce que je disais tout à l'heure. Toujours s'adapter au public auquel on s'adresse. Le lecteur du monde n'est pas un habitué des plateformes numériques, de TikTok, de Twitch, euh, de YouTube, etc. Donc c'est normal de, de s'adapter à eux et de leur expliquer. C'est un peu comme quand moi je vous explique ce que c'est que la télévision. Je sais que je m'adresse à des gens qui ne savent pas ce que c'est que la télévision. Donc il faut que je vous explique à chaque fois en quoi consiste ce médium un peu particulier euh, qu'on appelait la télévision. Donc voilà. Tu veux pas lire les commentaires de l'article Il euh, y a la section com. Mais non, il n'y a pas de commentaires. Si Non. Non, non, il n'y a pas de commentaires. Il n'y a plus de commentaires sur le monde, je crois. Si Mais Où ça Excuse-moi. Je sais encore scroller, hein. Contribuer, sélection, dans la même rubrique. Tu les vois où les commentaires Contribuer Ah, d'accord Ah, d'accord, ok D'accord, d'accord, d'accord. Ah, mais je ne je, je savais pas Qu'est-ce que c'est que ce web 2.0 où on peut, on peut commenter Merci vingt 91 pour ton Prime. Comment ça, les gens, ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice Genre, genre, à la fin, on va leur demander de mettre des pixels, c'est ça C'est pour les abonnés D'accord. Pour Hugo, combien de journalistes de presse en local en moins Car l'information nationale est certes importante, mais le local l'est aussi. C'est le grand vide, avec des algorithmes, des réseaux sociaux complètement hors jeu. D'accord, ok. C'est intéressant ce qu'il dit, effectivement, sur l'information le, le, locale qui a aussi besoin de. Oui, c'est vrai que c'est très national hein, ce qu'on fait l'information locale qui a aussi besoin d'un renouveau après bon c'est pas Hugo qui a supprimé des postes de journalistes dans les, la presse quotidienne régionale enfin peut-être falloir qu'elle se réforme un jour aussi la PQR pardon hein, bonjour à mes amis de la PQR j'aime beaucoup oui. ce que vous faites mais dans le genre archaïque euh, ça va <laughs> bon courage à vous hein, amusez-vous bien mais euh... euh, Jean-Claude Tirex, ce n'est peut-être pas la peine d'abaisser le droit de vote à 16 ans ah Jean-Claude il a bien lu l'article il a compris que vous étiez complètement demeuré <laughs> Jean-Claude s'il te plaît <laughs> ok certes la PQR oui pardon PQR ça veut dire presse quotidienne régionale salut euh, le Dranche merci merci pour ton resub euh, bon Jean-Claude Jean-Claude il vous en veut, Jean-Claude il veut pas que vous puissiez voter euh, parce que vous votez pas bien ce genre de plongée dans le monde des under 30 prouve qu'ils ne sont pas plus idiots ou ignorants que leurs, grands, que leurs parents et grands-parents simplement ils vivent dans un monde très différent de celui dans lequel vivaient leurs aînés au même âge, un monde où ils sont constamment bombardés par une information éphémère qui chasse la précédente et incontestablement caractérisé par un niveau de complexité plus élevé qu'il y a 30 ou 40 ans et dans ce contexte ils essayent de s'adapter comme ils le peuvent et d'y voir clair, je trouve ça plutôt rassurant Merci Roth Voilà, c'est vachement bien ça comme commentaire C'est un super commentaire ça Roth je suis parfaitement d'accord avec toi Ils sont pas plus cons que leurs parents et leurs grands-parents, ils ont, ils sont, ils, juste ils sont de leur temps, ils sont euh, de leur contexte Ouais, Rods qui a tout résumé. Non mais j'avoue, euh, Rods euh, number one. Hein. Rods VIP. Rods le sang de la veine. Merci Cookie virus Merci beaucoup. Euh, une... C'est toi la chaîne Twitch de Rods pour qu'on puisse sub Ouais, en fait c'est mon compte. Euh... Mais non, regarde, mon compte il est écrit là-haut, j'y Macier, Rods du poney. <laughs> euh, c'est pas grave s'ils ne s'intéressent pas à la politique, ils viendront dans quelques années quand ils auront pris un peu de bide. Qu'ils seront proprios, acheter un SUV et passeront leurs vacances en Sardaigne. Ils pourront alors voter Macron ou équivalent, tout va bien. Nemorosa, tu passes une mauvaise journée Merci Antoulm qui offre un sub à Rots. <laughs> euh, Nemorosa, Nemorosa, qu'est-ce que. Ah là là, c'est le. Oui. Bon bah voilà, c'est les. les, les... Enfin, voilà, c'est. Bon. C'est un, un peu Twitter, ça, comme commentaire, Nemo Rosa. On, on sent que tu. Voilà, t'as passé un mauvais 5 avril 2022. Et t'es un peu chafouin. <laughs> faut, manger, faut manger des fibres. <laughs> bon, bis il t'emmerde. <laughs> bon, voilà. Bon, bah, ça, voilà, c'est le. Bon, c'est le commentaire cynique. Vous le connaissez comme moi. Il existe partout sur Internet. Euh, c'est comme les gens sur Twitter. Ça me rend ouf. <laughs> les commentaires de gens qui. Euh, N'importe quelle politique dit un truc du genre euh, euh, le rapport du GIEC euh, est alarmant, il faut, il faut en tenir compte, etc. Les gens qui commentent euh, ⁇ Ah bah ça découvre le changement climatique en 2022 !⁇ Mieux vaut tard que jamais. Et ça c'est <laughs> Ces espèces de tweets, de commentaires à la con à chaque fois. Ah bah vous vous réveillez que maintenant <rire> Super <rire> le lever, Ce lever de sourcil c'est vraiment Twitter. Mais oui, on est d'accord. <laughs> <laughs> enfin bref quoi. Oui c'est ça. <laughs> comme les tweets qui finissent par ouais enfin bref. Non, non c'est bon. Non mais vas-y. Ce petit sentiment de supériorité que tu t'offres quand tu tweets ce genre de truc. Il <laughs> y a des gens qui font ça toute la journée. Moi, je connais des gens sur Twitter, ils passent leur journée à faire ça, à commenter des, des petits tacles comme ça un, un peu naze. C'est un, un peu bien senti genre. <laughs> en même temps dans le monde dans lequel on vit, euh... ça vous étonne <laughs> À bon entendeur. Euh, bref, l'infirmier. Intéressant, ça prouve que les jeunes sont quand même intéressés par la politique. Après, je suis d'accord avec eux. La plupart des médias et des politiques ne traitent pas des sujets de notre quotidien immigration, sécurité, et autres thèmes de l'extrême droite ne font pas partie de mon quotidien et pourtant, on entend que ça dans les médias depuis quelques années déjà. D'accord avec toi, l'infirmier. Bravo, vive les soignants. Je t'applaudis à 20h. Il n'y a pas de souci. Non mais voilà, bon, donc, Je suis parfaitement d'accord. Un peu dommage de terminer l'article avec la sensation que les jeunes ont besoin qu'on leur mâche l'information. Me dépasse, ne comprend pas pas d'infos claires, pense qu'il vient. Les jeunes cherchent une info condensée, instantanée, etc. L'intégralité intégral, des citations présente des jeunes perdus attendant désespérément que quelqu'un de cool en suite à capuche leur explique ce qu'ils doivent penser. Ah, bah du coup, c'est intéressant ce qu'il est en train de dire parce que ça résume ce que vous disiez tout à l'heure dans le chat. Certains d'entre vous qui disaient, ouais, il est bien l'article, mais bon, euh, on passe un peu pour des cons. Mais c'est pas mal, du coup, lui, il le résume un peu ce que, ce que vous disiez tout à l'heure. Je suis assez d'accord. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, ah, il y a une réponse à l'infirmier. Et les médias qui parlent féminicide et racisme parlent-ils d'un sujet plus en lien avec votre quotidien Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. D'accord, ça aussi, c'est le genre de commentaire... Ah mais vous n'êtes pas concerné, donc... Euh... D'accord. Euh... Donc ouais, ouais donc, du coup, voilà ça, ça résume ce que vous disiez tout à l'heure. Alors que l'article aurait pu être au contraire exploité pour montrer que les jeunes sont avides de nouvelles sources d'informations plutôt que de se contenter de l'existant, souvent parce qu'ils veulent des informations plus brutes, justement, rapides, plutôt que disponibles avec 40 heures de retard après un passage de filtre au directeur de la rédaction du journal d'un milliardaire. Ouais, je suis d'accord, mais non, l'article il est plus équilibré que ça. Mais, mais je suis d'accord, j'ai l'idée. Après, ta parole est sacrée. Non, ma parole n'est pas sacrée, ma personne est sacrée, c'est pas pareil. Euh, ok, intéressant, sauf qu'il y a des modèles économiques pour ces plateformes. Sauf qu'il n'y a pas de modèle économique pour ces plateformes. Le plus important média destiné au jeunes public est basé en Espagne. A deux qualités, a plus de 3 millions d'abonnés et ne survit que grâce à des investissements qui mettent de l'argent chaque année. Ça a été le cas pour Brut pendant des années avant de trouver la martingale avec BrutX. Oui, je suis d'accord. Oui, vrai. oui, c'est vrai. Les plateformes euh, ont un modèle économique qui est euh, friable. Euh, c'est vrai, c'est parfaitement vrai. J'hésite à voter Jean-Louis Mélenchon, Sandrine Rousseau ou Christiane Taubira. J'ai vu des contenus sur TikTok et Discord, mais je suis perdu. Est-ce qu'on met un pouce levé pour voter ou est-ce qu'on swipe euh, Pop, c'est de l'ironie ou... <laughs> je, je, je crois, je pense que c'est ironique. Je pense que c'est ironique. Je pense que c'est du troll. Euh, si c'est du troll, bien joué. C'est du, du beau troll. Si c'est pas du troll, il euh, y a un problème. <laughs> Mais ça sent un peu la troll de ça sent un peu le troll de boomer, ouais. <rire> <rire> Marrant de te mettre dans le même panier que Brut, qui est un média fondé par des ténors de l'industrie, alors que t'es un gars tout seul. Oui, je suis d'accord avec toi. Brut, ça a été monté par Renaud Levanquim, avec des avec du pognon, a pu savoir quoi en foutre, avec euh avec, du, avec un partenariat direct avec France Télévisions dès qu'ils se sont lancés, avant même d'être lancés, etc. Oui, je, je suis d'accord avec toi, c'est pas comparable un quart de seconde. N'empêche que le fait est que Brut, comme Hugo décrit, comme moi et comme d'autres, on est sur le même créneau. Donc c'est normal qu'il y ait des comparaisons qui soient faites. Euh, donc, ouais. Euh... C'est un poil idiot cette idée que les jeunes ne savent pas s'informer, les vieux d'il y a 60-70 ans regardaient un JT et n'allaient pas plus loin. Alors je suis d'accord avec toi, euh... oui, je suis d'accord avec toi. Déjà, je suis complètement d'accord avec toi. Il euh... y, un... y a une différence effectivement entre les, entre les jeunes aujourd'hui et les vieux euh... de 60-70 ans par le passé, c'est que l'offre d'information est pléthorique aujourd'hui. Euh... C'est vrai qu'il y a 60-70 ans. Bah, tu avais un ou deux JT, max, le soir, à 20h. Et puis, en général, tu avais un journal. Les gens achetaient généralement un journal. Peut-être deux, parfois, un journal local et un journal national. Mais... Et les radios. Il y avait les radios. Non, c'est vrai, il y avait des radios, quand même. Il y avait les radios. Mais pour autant... Euh... Enfin, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, je comprends que les jeunes se sentent euh, euh, perdus dans un fouillis d'informations tous plus complexes les unes que les autres, quoi. Donc, euh, donc oui, aujourd'hui, euh, sur les plateformes, on a, on, a, on, a, on a toute la presse écrite, on a toutes les télés, toutes les radios, et tu rajoutes à ça les streamers, les youtubeurs, les, les, les plateformes comme Brut, etc. Tu rajoutes à ça les complotistes, tu rajoutes à ça les... Enfin, tu vois, tu... c'est vrai qu'à la fin de la journée, l'offre d'information que vous avez, elle est, elle est stratosphérique, quoi. tellement d'infos qu'on ne sait plus où te donner de la tête. Ouais, est-ce que je peux comprendre Et tu rajoutes à ça l'économie de l'attention, la formation des communautés, euh, etc. Euh, tu, tu, tu tombes assez rapidement dans des, dans des phénomènes de bulles de filtre assez vénères. C'est ce qui avait été démontré à plusieurs reprises sur les, sur les anti vax euh, et avant ça sur une partie du mouvement des gilets jaunes aussi de gens qui, 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 qui ne suivaient les informations qu'à condition qu'elles soient alternatives. Euh, Sous-entendu, le critère numéro un de sérieux accordé à une information, c'était qu'elle n'aille pas dans le sens de la version officielle, alors je mets des guillemets là-dessus parce qu'à chaque fois évidemment ça dépend de l'actualité et du contexte, mais. Et donc du coup, ça c'est un peu la version extrême et dégénérée de, du, du problème. c'est Il y a tellement d'informations, c'est tellement le bordel et que du coup on a la. la, la, la... la tentation de voir des vérités alternatives à la, à la vérité. Plus la propagande de guerre qui est un enfer à débunker, ouais, ouais, bien sûr. Je suis pas tellement d'accord. Les bulles d'information, n'avaient l'air plus présentes il y a 50 ans. Alors je suis d'accord avec toi. Là aussi, faut pas faire, faut pas. Je suis d'accord. Faut faire attention. Les bulles de filtre existaient par le passé. Euh, les, les, voilà, les, les communistes achetaient l'Uma, euh, les cadres achetaient le Figaro. Donc c'est, voilà, oui, bien sûr, il y avait des bulles de filtre d'information. C'est vrai. Les communistes, ils rentraient chez eux le soir, ils lisaient l'UMA, dans lequel ils entendaient parler de la souffrance des ouvriers, de la difficulté de la vie, de, de, la, enfin voilà, de, de la galère, de la précarité et tout. Euh, et, les, et, les, et les cadres qui lisaient le Figaro, ils entendaient parler de, de l'insupportable niveau d'endettement de l'État, des dépenses publiques qui sont trop fortes, des fainéants qui ne veulent pas travailler, etc. Les bulles de filtre existaient. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Mmh. Après, dans le cas des Gilets jaunes, le traitement médiatique classique était tellement abusivement à charge que je comprends pas que les gens ne soient pas repliés vers l'info alternative. Que je comprends que les gens se soient repliés vers l'info alternative. Non mais je suis pas. Enfin, le Traitement du mouvement des Gilets jaunes, on peut en parler pendant, on peut en parler pendant longtemps si vous voulez. Euh, J'ai rarement vu un mouvement social qui a autant eu la parole, notamment à la télévision et à la radio. Enfin, je... Par rapport à des grévistes de la SNCF, par rapport au mouvement de la réforme des retraites... Putain, les Gilets jaunes, ils avaient des émissions spéciales. Il y avait Fly Rider le soir en prime time sur France 2, avec, euh, avec, euh, avec euh, Drouet, euh, Ludoskit. Enfin, C'était quand même le traitement des Gilets jaunes tous les samedis, en direct, sur toutes les chaînes d'information. Alors, je suis d'accord avec toi. Les informations qui étaient données étaient souvent les, 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 les heures dans les manifestations, c'est vrai, c'était pas vraiment sur les ronds-points, c'était plutôt à Paris avec les CRS qui chargent, etc. Donc c'est vrai que ça ne donne pas la meilleure image du mouvement. Mais putain, euh, le mouvement des Gilets jaunes, en termes de, de traitement médiatique, euh, on ne peut pas dire qu'ils ont été silenciés. Après, euh, oui, bien sûr, il y avait des chroniqueurs sur les plateaux télé euh, qui parfois disaient ce qu'ils pensaient et c'était pas tendre. C'est vrai. Mais bon euh, moi à l'époque j'étais chroniqueur sur LCI, je me souviens qu'il y avait des samedis où, où la rédaction me disait mais enfin même les journalistes d'LCI disaient mais il faut qu'on arrête là, c'est pas possible. Tous les samedis on fait une antenne intégralement gilet jaune, alors que là cet après-midi, il y avait il euh, y avait 5000 manifestants dans Paris ce jour-là. 5000 mais c'est que dalle. Enfin on va arrêter d'avoir une couverture live un, enfin on peut continuer à faire des plateaux en parler dans nos analyses et tout mais mais là, ça devient débile. Enfin, il se passe des trucs ailleurs dans le monde et tout. Euh... Ils ont mis beaucoup de temps à relayer les violences policières tout de même. Non, non, je, je suis d'accord avec toi. Je ne traite pas forcément de la manière dont a été traitée l'information, mais sur la couverture du mouvement. Euh... Sur la couverture du mouvement, quand même, c'était euh, quelque chose. Et encore une fois, pas comparable avec les autres mouvements sociaux d'avant. Donc. Euh... Mais d'ailleurs, c'était, je ne sais plus quel chercheur qui avait expliqué de manière assez habile, assez habile que le mouvement Gilets jaunes était un mouvement, ils avaient appelé ça le mouvement BFM TV, euh, en disant qu'en fait, le mouvement des Gilets jaunes, dans, son, dans sa forme, avait été pensé pour la télévision. Euh, le, 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 le caractère très visuel des gilets jaunes, déjà le gilet jaune, le jaune fluo, qui en soi dit quelque chose de politique, regardez-moi, j'existe, attention, euh, l'identification au véhicule, à la voiture, le gilet jaune, vous savez, c'est obligatoire dans les voitures, les voitures ont fait le plein d'essence, etc., le triangle rouge, vous, voyez, vous avez l'idée, quoi. Donc ça disait déjà quelque chose d'assez spectaculaire. Euh, et ensuite, le, 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 le principe des, des mobilisations perlées. Euh, Surtout les week-ends, les manifestations le samedi à Paris, etc. Ça disait aussi les, le principe des actes. La récurrence du mouvement et cette manière de faire étaient particulièrement calibrées pour les chaînes d'information en continu. Euh, merci beaucoup, petite tortue libre pour ton resub. Les Gilets jaunes ont tout donné sauf un représentant politique dommage dans une démocratie. Bah c'est les limites du mouvement des Gilets jaunes. C'est une partie de son succès, c'est le refus de l'organisation et de l'inscription dans une, dans une stratégie classique, sous-entendue électorale ou syndicale, euh, qui, a, qui a été en partie leur force parce qu'ils ont pu du coup s'appuyer sur une notion de rejet de l'élite politique et du refus de participer à un système vicié, etc. Euh, le paradoxe, c'est que du coup, le mouvement des Gilets jaunes n'a eu aucun, euh, aucune, euh, aucun suivi euh, politique. Merci Zenkai70. Alors, ils ont obtenu des trucs quand même, hein, 17 milliards d'euros de la part de Macron, euh, le grand débat national, euh, etc. On, on en pense qu'on en veut, mais il y, 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 y a eu des choses qui se sont passées à l'issue du mouvement des Gilets jaunes. Mais, euh, mais d'un point de vue électoral, ils se sont complètement effondrés au moment des européennes. Et ensuite, on n'aurait en plus jamais entendu parler. Même au municipal, les, les listes gilets jaunes, il y en a eu quelques-unes qui se sont présentées. Ils ont gagné zéro. Francis Lalanne, avec son coup d'état militaire, euh, il est devenu ridicule et rien d'autre. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, donc, le mouvement des gilets jaunes a, a, a échoué là où il aurait dû réussir, je pense. Après, c'est un point de vue personnel, mais c'est probablement parce que je suis très institutionnel dans ma manière de voir le politique. Je suis comme Usul, moi, je pense beaucoup à la logique de parti, à la, à la logique de tendance, à l'organisation dans un axe politique. Avec, euh... ça peut avoir un relais dans la rue, d'ailleurs, mais il y a aussi un moment où il faut présenter des candidats, quoi. Enfin, il faut. Chacun fait ce qu'il veut, mais ça a une logique, en tout cas, de présenter des candidats. Est-ce que tu streameras les résultats Oui, ouais, bien sûr, je streamerai les résultats, évidemment. Il aurait dû réussir, c'est pas, pas non plus une majorité de la France. Non, non, je ne suis pas en train de te dire que le mouvement des Gilets jaunes aurait dû réussir en devenant majoritaire dans une élection. Non, non, mais ne serait-ce qu'être présent dans une élection. Ça, ça n'aurait pas été absurde, vraiment, hein, qu'il y ait des, 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 conseils, des, des députés européens Gilets jaunes. Ça n'aurait pas été débile, hein, un ou deux. Je ne dis pas qu'il aurait fallu que ce soit pléthorique, etc. Mais... Un Mouvement de cette ampleur là qui représente quand même beaucoup de français, je dis pas tous, je dis pas qu'ils sont majoritaires, etc. Je n'en sais rien. C est, c est, c est... La logique d'une démocratie représentative aurait été qu'il y ait une traduction électorale, un relais électoral de cette euh... de ce mouvement. Il se trouve qu'ils en ont pas eu, en tout cas pas dans les élections intermédiaires et à la présidentielle, on verra bien. Mais à la présidentielle, on s'attend à ce qu'il n'y en ait pas. Je ne connais aucun aucun aucun. Euh... Candidat à l'élection présidentielle ne se revendique officiellement de la continuation du mouvement des Gilets jaunes. Ils en ont tous une interprétation, mais on en a parlé hier quand on a vu les clips de campagne. Il y a quand même des revendications sur l'automobile, sur le prix et la pompe, etc. Donc on sent que le mouvement des Gilets jaunes a quand même laissé des traces dans les enjeux de pouvoir d'achat, qui ne sont pas totalement absents de cette campagne présidentielle, les Gilets jaunes, mais c'est que dalle par rapport à ce qu'ils ont été en 2018-2019. Un peu Nicolas Dupont-Aignan, c'est vrai, un peu Nicolas Dupont-Aignan. Ouais, ouais, un peu. Mais bon, il risque de finir. Enfin, euh, je veux dire, si, 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 il ne il faudra pas qu'on résume le score de Nicolas Dupont-Aignan au score des Gilets jaunes, parce que sinon. Euh, Jean-Luc Mélenchon a voulu faire de la récup, mais ça a foiré. Oui, Jean-Luc Mélenchon a, a aussi raté là-dessus euh, son, son histoire de fédération populaire à ce moment-là, l'idée d'arrêter, d'abandonner la notion de gauche, etc. De dire non, non, c'est le peuple contre l'élite, contre etc. Assumer le populisme de gauche comme une stratégie électorale, etc. Ça a été, une, ça a été un moment qui n'a pas. Fonctionner pour la France Insoumise aux élections. Ils se sont pété la gueule, la France Insoumise, aux élections intermédiaires. Euh, ils n'ont pas réussi à transformer l'essai. Euh, et Marine Le Pen, de son côté, elle s'est tenue à distance quand même du mouvement des Gilets jaunes. Elle a refusé d'appeler à manifester. Elle, pas, elle, a, elle a une stratégie différente. Euh, elle n'en a pas bénéficié non plus, parce que pour elle aussi, ça s'est mal passé. Je vous rappelle que le Rassemblement National était à deux doigts de gagner deux régions, une dans le nord, une dans le sud. Bon, ils en ont eu aucune. Euh, les mairies, ça ne s'est pas si bien passé que ça non plus. Bon, après, est-ce qu'il est qu est qu est qu fallait ne s'attendre qu'à une traduction dans les élections locales Peut-être pas. Ça aurait pu avoir du sens. hein. gilet jaune local, c'est pas absurde. Bon, ils en ont pas eu. Florian Philippot qui se revendiquait gilet jaune, il n'a pas eu ses 500 signatures. Ouais, alors Florian Philippot, c'est un peu comme Nicolas Dupont-Aignan, c'est-à-dire qu'il a fait la, la transformation de la suite du mouvement des Gilets jaunes avec le mouvement anti-pass sanitaire... Euh, et anti-vax, enfin voilà une tentative de récupération de ce mouvement là, non Florent Philippot. Il... Mais Florent Philippot, je suis d'accord avec toi, en fait l'aventure politique de Florent Philippot c'est la même démonstration que ce qu'ont vécu les Gilets jaunes. C'est-à-dire l'incapacité à transformer un mouvement, qui est ce qu'il est, en une traduction euh, électorale. Quoi. Ça marche pas. Il y a un moment ça bloque. Hum... C'est des abstentionnistes, du coup, normal que ça se traduise pas en vote local. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les Gilets jaunes se sont massivement abstenus. Ce qui est pas rassurant du tout pour la présidence, enfin pour la pour, pour la démocratie. Je... c'est pas l'échec du mouvement Gilets jaunes a trouvé une traduction dans le, 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 le système politique institutionnel est à la fois un, un échec pour le mouvement des Gilets jaunes, mais c'est aussi un échec pour l'institution. Je pense. Hein. <coughs> Euh, les Gilets jaunes ne ressemblent pas à l'idée commune, sauf un constat d'échec et une colère commune. Ben bah ouais, et c'est pour ça que je me permets d'avoir de, de, un jugement un peu négatif sur leur devenir politique, parce que c'est ça l'échec pour moi d'un mouvement. C'est Ils sont arrêtés en cours de route. Je suis d'accord avec toi qu'ils ont rassemblé sur une colère, et un ressenti commun qui disait des choses très profondes et très intéressantes. Mais la deuxième étape aurait dû être une organisation. Et après, j'y suis très attaché, moi. L'organisation en politique, l'organisation collective, l'organisation qui se traduit notamment par la présentation de candidats à des élections euh, qui réussissent à transformer ça en vote, etc. À, parfois, à créer des alliances aussi. Hein. Ce n'est pas, pas forcément euh, présenter des candidats partout, dans toutes les circonscriptions, dans toutes les villes, dans toutes les régions. On existe et on emmène les autres. C'est aussi nouer des alliances intelligentes, trouver des compromis. Pourquoi le NPA n'arrive pas à récupérer ce mécontentement bah, La gauche de la gauche, euh, ils, ils sont complètement plantés euh, sur le mouvement des Gilets jaunes. Ils, ont, ils, ont, ils, sont, ils sont habitués à des luttes, pour le coup, beaucoup plus organisées, historiques, euh, menées par des associations, des syndicats, dans les, dans les entreprises, etc. Le mouvement des Gilets jaunes n'était pas un mouvement dans les entreprises. Ce n'était pas un mouvement lancé par un syndicat. Ce n'était pas un mouvement habituel, ni dans sa forme, ni dans ses revendications pluriel, compliqué, archipel, etc. Euh, et la gauche de la gauche, ils ont, ils ont raté le coche, et on, on en parlait d'ailleurs avec Usul, il y a une trouille de rater le prochain mouvement des Gilets jaunes. C'est pour, pour ça que Philippe Poutou, quand il est venu sur le plateau de Baxit, on lui a demandé avec Usul qu'est-ce qu'il pensait du mouvement de, de la, du Convoi de la Liberté, et on sentait que Philippe Poutou, il n'avait pas envie de passer à côté du, du possible futur mouvement des Gilets jaunes. On, on a déjà raté le premier train, on est un peu passé pour des cons, euh, donc le prochain on a bien l'intention de le prendre et c'est pour ça qu'il nous a répondu euh, ouais, ouais, nous on soutient, euh, faut que ça pète, etc euh, donc euh, donc non 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 ni Poutou ni Artaud ne, ne parviennent à, à ne parviennent à être les relais d'opinion de, des gilets jaunes comme Méluche qui sait pas quoi faire avec les antivax Ouais, alors oui, c'est un peu le problème quand je parle de faire des compromis, etc. C'est que parfois ça peut amener à des, à des trucs bizarres où effectivement euh, t'as le risque du double discours, c'est-à-dire de ne pas dire la même chose aux personnes en fonction à qui t'es en train de parler. Euh, ça, ça peut arriver. Euh, ou du coup, d'être un peu emmerdé avec des lignes différentes au sein de ton propre mouvement, quoi. en même temps, les idées véhiculées par les gilets jaunes, outre leur bol étaient très diverses. c'est vrai. c'est vrai. c'est vrai. c'est vrai. c'est difficile de résumer le mouvement gilets jaunes à une plateforme de propositions. alors, il y a quand même des grands thèmes qui sont ressortis. Euh, mais une fois qu'on parle de thèmes, en fait, c'est compliqué. Tu as un thème euh, sur le pouvoir d'achat. clairement, sur le pouvoir d'achat, sur le voilà, le, le, c'est la france, c'est la france, c'est la france des, des, des lotissements, hein, le, le mouvement des gilets jaunes, c'est la france périurbaine, c'est la france de la classe moyenne déclassée. Euh, qui dépendent de son véhicule pour vivre on en a parlé la dernière fois quand on parlait d'urbanisme et, de, et de, de, de la logique des lotissements quoi, enfin la logique des, de la France périphérique euh, et qui du coup exprime des problématiques de pouvoir d'achat très, très spécifiques donc c'est cette France là euh, donc il y, y a une plateforme de revendication autour du pouvoir d'achat et il y a une autre plateforme de revendication très politique et quasi institutionnelle, notamment autour du référendum d'initiative citoyenne. La notion de démocratie directe, de rejet des partis, de rejet de l'organisation et de l'institution, etc. Euh, ça dit aussi quelque chose de très important euh, d'un mouvement qui est en partie anti-élite, en partie anti-système, mais aussi euh, qui souhaite une autre organisation. C'est pas forcément des gens qui sont anarchistes. Euh, c'est des, voilà, des gens qui souhaitent une autre organisation, plus respectueuse, plus implicative, etc. C'est aussi d'ailleurs le paradoxe du mouvement des Gilets jaunes, et c'est peut-être ce qui explique en partie le fait qu'ils n'aient pas réussi à avoir une traduction électorale, c'est que tous les camps politiques peuvent euh, picorer dans le mouvement des Gilets jaunes et y trouver ce qu'ils ont envie d'y trouver. L'extrême droite a pu, y, a pu y entendre quelque chose, un rejet d'une élite parisienne déconnectée des réalités euh, de, de la France rurale, qui elle sait très bien ce que c'est que la vie, à la différence de nos élites, machin. Euh, on, a, euh, on a un Jean-Luc Mélenchon qui lui aussi a pu y trouver ce qu a, qui qu l'intéressait, des trucs qui font écho euh, à, son, à son programme L'Avenir en Commun. Même Emmanuel Macron y a trouvé un écho à sa campagne victorieuse de 2017 en disant la volonté de, la volonté de dépassement du clivage gauche-droite, c'est aussi ça que disent le mouvement des Gilets jaunes, euh, la volonté de faire les choses différemment, etc. Donc voilà, c'est aussi le drame du mouvement des Gilets jaunes, c'est que à force de ne pas parler eux-mêmes, de ne pas s'organiser, de ne pas porter leur propre truc, ils ont laissé les autres parler à leur place. Et du coup, voilà. C'est quoi cette bague Non, c'est pas une bague, c'est un chouchou. Enfin, c'est un élastique, pardon, que m'a offert Usul d'ailleurs. Ça y est, maintenant on est frères de chevelon, donc euh, Usul m'offre des élastiques. C'est sympa, hein. C'est le problème de beaucoup de mouvements qui en avaient marre du système vertical des parties et qui ont construit un mouvement full horizontaux comme Occupy, Nuit debout, des trucs en Espagne, je ne sais plus comment ça s'appelait. Euh, en Espagne, c'est différent parce qu'ils ont eu une tradition électorale, tu fais, tu fais référence à Les, à les, les Indignés. Euh, c'est incroyable pour la discussion et les débats d'idées, mais derrière, on transforme ça en représentation politique, c'est compliqué sans verticalité. Je suis d'accord avec toi, Mentis, ouais. Euh, Podemos, oui, Podemos, c'est ça, le mouvement politique qui est sorti du mouvement des Indignés, Podemos. Qui, euh, qui a fini par, qui a fini par, euh, par mourir, hein, le, le, le mouvement des. La, la, la. Putain. Le populisme de gauche, bah je cherchais, le populisme de gauche, euh, ça s'est mal passé euh, en Espagne, ça s'est mal passé euh, avec Syriza en Grèce. Il euh, n'y a qu'en France que ça continue encore à vivoter. On verra si, ça, si cette stratégie permettra à Jean-Luc Mélenchon de devenir président de la République en France. c'est pas certain. J'en parlais avec des militants à l'ERM, les Gilets jaunes sont aussi en partie arrivés à cause du président jupitérien qui a été l'opposé de la promesse initiale. Ouais c est, c est, c est... Non mais tu vois, c'est dingue. C'est qu'on arrive à un moment où en fait on peut faire dire tellement ce qu'on veut aux Gilets jaunes qu on peut y... <laughs> que Macron de son côté peut y voir une forme de confirmation de ce qu'il a toujours défendu, etc. Il l'avait dit au moment du grand débat national. Et de la même manière, on peut y voir aussi un anti-macronisme. Alors, au demeurant, je suis plutôt d'accord avec l'idée que le mouvement des Gilets jaunes était quand même très anti-Macron. On n'a pas... <laughs> pas commencé, hein mais en même temps, il faut reconnaître que le mouvement des Gilets jaunes a aussi participé à la logique de désintermédiation promue, souhaitée, voulue par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ça lui convient. Le mouvement des Gilets jaunes, dans sa logique à lui, c'est pas. Les syndicats sont très faibles, très peu représentés. Les partis politiques sont très faibles, très peu représentés. Le mouvement des Gilets jaunes est dans une logique d'adresse directe au président. Il y a une relation directe peuple-président convient très très bien à la cinquième république et au jupitérisme. Pour Macron, c'est pas un mouvement, c'est une crise des gilets jaunes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, il utilise le, le mot assez régulièrement, la crise des gilets jaunes. Il refuse d'y voir un mouvement parce que ça risquerait de l'institutionnaliser par, par, par son propre verbe. Tu peux réexpliquer le jupitérisme Non, le jupitérisme, c'est l'expression consacrée euh, depuis le début du quinquennat. Je ne sais plus qui a été le premier à l'utiliser. Euh, euh, C'était un proche d'Emmanuel Macron qui avait dit euh, voilà le côté Jupiter. Euh, c'est la pratique du pouvoir. Euh, chaque président de la République a un style, une manière de gouverner. La Sacrée République est un cadre qui permet au président de la République de faire beaucoup de choses, y compris d'imprimer sa patte, sa manière de faire et sa, et la, et sa, et sa manière de gouverner, la marge de manœuvre qu'il laisse au Premier ministre, l'organisation plus ou moins verticale de, sa, de son quinquennat, de son machin. Et euh, le Jupitérisme, c'est le nom, c'est le surnom qu'on a donné à la méthode euh, d'Emmanuel Macron, euh, très verticale, très directe, très, euh, qui, qui passe par-delà les corps intermédiaires. Euh, on l'a vu pendant le mouvement de la réforme des retraites où Emmanuel Macron n'a même pas daigné euh, dialoguer directement avec le leader de la CFDT qui est pourtant le premier euh, syndicat dans le, dans le privé. Merci impérateur Scarlett. Euh, donc euh, c'est un exemple parmi d'autres de ce qu'on appelle la désintermédiation. Euh, voilà. Hollande c'était le flambisme, ouais, c'est ça Hollande on l'appelait flambi parce que c'était une présidence molle, il avait, il avait théorisé le président normal pendant la campagne de 2012. Euh, et il avait eu un présidentialisme très particulier François Hollande parce que au début il avait beaucoup laissé faire son premier ministre. D'une manière générale, il a beaucoup laissé faire ses premiers ministres euh, François Hollande. Euh, ça s'était pas très bien passé avec Jean-Marc Ayrault parce que euh, parce que François Hollande repassait derrière et, et rendait des arbitrages par delà le premier ministre qui énervait tout le monde et ce qui bloquait un peu tout. Il avait quand même commencé son quinquennat en 2013 avec un accord professionnel euh, avec Michel Sapin. Hein. Donc y avait, le dialogue social était quand même présent dans, dans, la, dans, dans la logique de la social-démocratie à l'ancienne quoi. Voilà. Euh, mais par la suite, François, euh, François Hollande, il a été contraint de, de faire preuve d'un autoritarisme au moment des attentats. Enfin, voilà, on a changé d'ambiance en 2015. Quoi. Donc, euh, hey. hum, À la base, c'était pour dire qu'il laisserait les affaires quotidiennes à son Premier ministre et qu'il serait au-dessus. Oui, c'est vrai, tu as raison. Le Jupiterisme a été théorisé par Emmanuel Macron lui-même, qui a dit, euh, dans, dans une logique assez gaullienne d'ailleurs, il faut lui reconnaître ça, c'est pas, pas une reconnaissance de ma part, c'est pas plutôt, pas franchement un compliment dans ma bouche, mais euh, dans une logique très, euh, très gaulienne, de le président de la République fixe le cap, s'occupe des grands chantiers, enfin des, des, des grandes orientations du pays et laisse les contingences quotidiennes et un peu basses et, et peu intéressantes au premier ministre. Et Nicolas Sarkozy, il avait une présidence euh, très autoritaire et très verticale, on appelait ça l'hyper-présidence à l'époque. Euh, l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy, euh, qui euh, voyait dans son Premier ministre un simple collaborateur, il avait utilisé cette expression euh, dans les médias, euh, Nicolas Sarkozy qui assumait parfaitement le, le, le rôle de chef, ce qui est, ce qui est de l'ADN de son, de, de son camp politique historique, donc ce n'est pas absurde, euh, il avait eu lui aussi dans son genre une politique. Alors pour le coup, Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2012, il a eu un quinquennat qui était aussi un, un quinquennat... Euh, très zapping, euh, il faisait des propositions de loi. En fait, il réagissait beaucoup à l'actualité. Ça, ça a toujours été très Nicolas Sarkozy, ça. Euh, il y avait un fait divers, une loi. Et je rigole à peine, peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont qui ont pas ce souvenir-là, mais Nicolas Sarkozy, euh, son, son, sa méthode de gouvernement, il avait les yeux rivés sur les chaînes d'information en Et dès qu'il y avait une, une affaire, un fait divers sordide, quelque chose de grave, etc., le ministre en charge du dossier en question se précipiter à la télévision pour annoncer qu'un projet de loi allait arriver au Parlement dans les semaines qui suivent pour répondre et donc en fait il y avait une logique de le gouvernement alors ça c'était aussi la, la, la... mais alors pour le coup c'est pas tant une pratique du pouvoir de Nicolas Sarkozy qu'une doctrine politique la politique du quotidien le solutionnisme politique quand je l'utilise parfois je pense un petit peu à, à Nicolas Sarkozy c'est l'idée c'était Rachida Dati qui le disait à l'époque elle était garde des sceaux euh, elle le disait vous savez notre rôle à nous le gouvernement c'est d'apporter des réponses concrètes aux problèmes quotidiens des Français. Et ça, c'était une méthode un peu particulière de dire notre rôle à nous, c'est d'être concreto-concret dans la solution concrète aux problèmes des Français. D'où la réponse très policière, par exemple au problème d'insécurité. C'est quoi la réponse concrète à un problème d'insécurité bah, C'est des policiers sur le terrain. La réponse concrète, rapide que tu peux faire, c'est ça. Euh c'est des policiers mieux armés, c'est de la vidéosurveillance, c'est des choses comme ça. Là où beaucoup de gens disaient, bah oui, mais l'insécurité, c'est un problème complexe qui nécessite des réponses sociales sur le temps long, etc., un dialogue avec les acteurs, etc. Sarkozy, c'était pas trop son truc, non, non, mais attends, on va, on, va, on, va, on va annoncer des tasers, on va annoncer des flashballs, on va annoncer des bacs dans les banlieues, etc. Donc c'était très court-termiste, mais c'était voilà, aussi une logique politique, le sarkozyme de euh, être concret, être concret, répondre concrètement aux problèmes des gens. Problème de pouvoir d'achat Défiscalisation des heures sup, boum, c'est clair, c'est concret, ça va, c'est voilà, t'as plus d'argent à la fin du mois. Travailler plus pour gagner plus. C'est concret. Voilà. Et donc c'était ça le sarcosisme euh, entre 2007 et 2012. Euh... Mmh, mmh. thermisme total pour gagner les prochaines élections. Bah oui, mais il les a perdues, celles de 2012 du coup. Et il les a perdues notamment par rejet de son hyperprésidence. C'était ça, le président normal de, Macron, de, de Hollande. Pardon. Hollande a réussi à remporter l'élection en 2012 aussi sur une promesse de retour à la normale. Il y avait un côté... Euh, il y avait un côté euh Sarkozy, il est surexcité, euh, 24 heures sur 24, il y a toujours des propositions de loi, des projets de loi. Ça, pour le coup, il faut reconnaître aussi ça Nicolas Sarkozy. Il avait une compréhension et une connaissance du système médiatique qui faisait qu'il en fait, devançait les. Il devançait les journalistes. Il était toujours en avance des journalistes. C'était complètement incroyable. Les journalistes n'avaient pas le temps de souffler. C'était dingue. En permanence, chaque jour, mais chaque jour il y avait au moins un ministre qui faisait au moins un déplacement au cours duquel il annonçait au moins un truc. Et Macron a gagné en offrant l'inverse du président normal. On est prévisible. <laughs> ouais. Ouais. Est-ce que Macron a pas proposé en 2017 une synthèse des deux? Hyper-président normal, <laughs> c'est ça. Euh... Thèse, antithèse, synthèse. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Il euh... y a un article sur le rapport du GIEC, si ça vous intéresse. Mais bien sûr que ça vous intéresse, évidemment que ça vous intéresse. Boum euh... Attendez, bougez pas. Tac, 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 tac. Le rapport du GIEC qui est sorti. Article de l'IB que j'ai trouvé. Euh... Qui fin fait vivre. Le rapport du GIEC esquisse des solutions face à la catastrophe climatique. Le troisième et dernier opus du rapport du GIEC vient d'être approuvé par les 195 pays membres. Ce volet porte sur les solutions permettant d'atténuer le changement climatique, notamment la réduction de la consommation des énergies fossiles. Alors, je vous rappelle qu'il y a trois volets au rapport du GIEC. Et pour faire très simple, le premier volet, c'est sur euh, les mécanismes du changement climatique et sur la, la place de l'activité humaine dans, les, dans, les, dans le changement climatique. Le deuxième volet, c'est sur les conséquences du changement climatique. C'est celui, euh, le deuxième volet qui est sorti il y a deux mois, là. Enfin, euh, il y a un mois au moment où on avait fait le, le, le débat du siècle. Et le troisième volet, c'est sur les solutions, si je puis dire. Une trilogie, bah, c'est ça, une trilogie. Euh... si l'humanité veut éviter le chaos climatique, pas le choix, il lui faut dès maintenant transformer en profondeur les modes de production et de consommation dans tous les secteurs, des transports à l'agriculture, en passant par les bâtiments. Transport, agriculture, bâtiments et production sont les quatre secteurs les plus émetteurs de CO2 dans le monde. Voici en substance le message à retenir du dernier volet du sixième rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, publié lundi. Comme le précédent en 2014, ce rapport, ce rapport ne fait pas de recommandations, mais établit l'état des connaissances sur les changements climatiques en synthétisant des milliers de travaux scientifiques. Ça, c'est important. Le GIEC, je vous le rappelle, n'est pas un cabinet de consultants <laughs> qui propose des solutions opérationnelles. Le rapport du GIEC est un groupement intergouvernemental scientifique dont le rôle est d'établir... D'établir euh, un état de l'art des connaissances scientifiques à un instant T sur un sujet donné. Ok Donc ils font des recommandations. Enfin, non, ils ne font pas de recommandations, pardon. Ils synthétisent les connaissances des scientifiques de ce que disent les scientifiques en matière, y compris de recommandations et de solutions. Ok En août, la première partie avait constaté l'accélération du réchauffement et averti que le seuil des 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, pourrait être atteint autour de 2030. Le deuxième chapitre, en février, dressait un tableau glaçant des conséquences du changement climatique sur nos vies, soulignant que retarder l'action réduit les chances d'un avenir viable. Le troisième et dernier opus, de milliers de pages, élaboré depuis 2017 par plus de 200 scientifiques, se penche donc sur ces nécessaires actions, sur les solutions permettant d'atténuer le changement climatique. Du concret, montrant que nous pouvons encore empêcher le pire, ne pas marcher les yeux fermés vers la catastrophe climatique, pour reprendre les mots d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Mais qui implique de faire des choix de société parfois radicaux, nécessitant du courage politique. De quoi expliquer, sans doute, pourquoi le résumé, pour 17... le résumé pour décideurs, politiquement sensible, a été approuvé avec deux jours de retard par les 195 pays membres du GIEC, au terme de rudes négociations. Le pacte de Glasgow, adopté en conclusion de la COP26 en novembre, réaffirmait que la décennie actuelle doit être celle d'un sursaut de l'action climatique pour espérer limiter les hausses des températures à plus 1,5 degré, 1, 1, degré pardon, des, et spécifiait qu'une réduction mondiale du CO2 de moins 45% en 2030 par rapport à 2010 est nécessaire, en plus de la réduction des émissions des autres gaz à effet de serre. Il n'y a pas que le CO2, il hein, y en a d'autres. LAS. Là, ça veut dire hélas. L'humanité fait pile l'inverse. Les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie ont grimpé de 6% en 2021 pour atteindre un record historique, a averti le 8 mars l'Agence internationale de l'énergie. En cause, notamment, l'utilisation accrue du charbon, favorisée par la flambée des prix du gaz. Alors que la guerre en Ukraine risque d'aggraver cette tendance, et souligne la dépendance du monde aux énergies fossiles, première responsable du changement climatique, le rapport du GIEC publié lundi prouve qu'il ne s'agit pas d'une fatalité, qu'un large panel de possibilités existe déjà pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à court, moyen et long terme. Dans chaque secteur, il est possible d'agir, il y a d'ailleurs de plus en plus de preuves de l'action climatique, remarque le GIEC. Mais il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre immédiatement et fortement. Partout, souligne ce dernier, sans quoi limiter le réchauffement à 1,5 degré sera hors de portée. Donc ce que dit le GIEC, c'est qu'on est en train de faire l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut agir très vite et de manière très importante, mais c'est possible de le faire. Il existe tout un panel d'actions qu'il est possible de mener, euh, donc ce n'est pas hors de portée. Nous sommes à la croisée des chemins. Les décisions que nous prenons maintenant peuvent nous assurer un avenir viable. Nous avons les outils et les savoir-faire nécessaires pour limiter le réchauffement, a déclaré le président du GIEC, Oun Sung Lee, cité dans un communiqué. Il y a des politiques, des régulations et des instruments de marché qui font, qui font preuve de leur efficacité. S'ils sont amplifiés et appliqués plus largement et équitablement, ils peuvent permettre de fortes réductions d'émissions et, et de stimuler l'innovation. Côté production d'énergie, les chercheurs ont examiné les avantages et les inconvénients des divers mix possibles. Je rappelle qu'un mix, c'est un mélange de différentes méthodes de production d'électricité. Euh, donc le nucléaire, le charbon, l'hydrolien, le photovoltaïque, l'éolien, le, euh, le, le, etc. etc., etc. Toutes les voilà, y a plusieurs, euh, tous les pays ont un mix de plusieurs méthodologies. Le charbon en est une aussi le gaz en est une aussi le pétrole en est une aussi. Donc, il souligne la nécessité de transition majeure dans ce secteur. Cela implique de réduire substantiellement la consommation des énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon, de généraliser l'électrification, d'améliorer l'efficacité énergétique et d'utiliser les combustibles alternatifs comme l'hydrogène ou les agrocarburants durables, soulignent les experts du GIEC. D'accord, donc en fait, contrairement à ce que je vous dis, parce que moi j'avais compris production d'énergie, j'avais compris production d'électricité. En fait, eux, il ils, ils, y, y a aussi le transport là, dans ce que je comprends. pétrole, gaz, charbon, généraliser l'électrification. Oui, donc l'électrification, c'est pas l'électrification des centrales électriques, vous avez bien compris, c'est l'électrification plutôt du parc de consommation d'énergie, donc notamment les voitures. Quoi. Euh... Depuis 2010, remarque le GIEC, le coût, des énergies et... le coût des énergies solaires et éoliennes, comme celui des batteries, a baissé de façon soutenue jusqu'à moins 85%. Même si les défis opérationnels, technologiques, économiques, réglementaires et sociaux subsistent, Diverses solutions systémiques ont vu le jour pour intégrer des grandes parts d'énergie renouvelable dans le système énergétique, souligne le rapport. Avec à la clé de multiples avantages, notamment en termes de qualité de l'air. Ok. Ok, d'accord. Il faut, faut que je relise parce que des coûts d'énergie solaire et éolienne ont baissé de façon soutenue jusqu'à moins 85%. Ouais, ok, d'accord. Euh, de plus en plus de législations ont aussi permis d'améliorer l'efficacité énergétique, un point majeur, car pour baisser les émissions, il s'agit également d'économiser l'énergie, de penser efficacité et sobriété. Les scientifiques ont donc passé en revue les façons de rendre moins énergivores nos bâtiments, nos transports, nos villes, nos industries, notre agriculture, tout en permettant d'améliorer la santé, l'emploi et l'équité. Dans l'éventail de solutions pour baisser les émissions, les villes et autres zones urbaines offrent des opportunités significatives, remarquent les scientifiques. Qui cite la création de villes compactes et piétonnes. On en parlait la dernière fois sur, euh, sur la nécessité de, 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 de repenser la méthode de l'habitat, etc. La maison individuelle dans laquelle tu as besoin d'une maniole pour aller bosser n'est pas un, une solution d'avenir. Paradoxalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, l'habitat collectif, donc vivre dans des immeubles, c'est plutôt, écon... plutôt euh, ça euh, qui est une solution pour, euh, pour limiter la consommation d'énergie. Euh... Mmh. L'électrification des transports, dont les voitures individuelles combinées à des sources d'énergie bas carbone, ainsi que l'amélioration de l'absorption des stockages du carbone en ville grâce à la nature. De quoi aider à limiter les impacts du changement climatique Un réseau de parcs et d'espaces verts, et d'espaces ouverts, de zones humides et d'agriculture urbaine pour réduire les risques d'inondations et les effets des îlots de chaleur. Illustre le GIEC. Alors évidemment, quand je vous dis que le, 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 vivre dans des tours, c'est plutôt euh, économe, en, 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 en ça dépend de comment c'est fait évidemment si on vit dans une tour avec un parking en dessous on a tous une bagnole pour aller travailler à 80 km c'est pas économe du tout c'est juste que généralement vivre en ville c'est avoir accès à des réseaux de transports en commun donc ils sont économes, c'est d'avoir euh, potentiellement accès à du coup de, de l'habitat partagé euh, de, de, qui permet de faire des économies en termes de travaux, en termes de mutualisation d'intervention de, etc une limite aussi de la surface au sol euh, pour vivre tout simplement donc c'est sûr, certes as pas ton petit jardin en R 1 mais euh, <laughs> de plein pied pardon, mais tu, euh, dans ta maison R 1 c'est ce que je voulais dire, mais, euh, mais voilà tu as moins d'emprise au sol euh, ceci étant, ce qu'ils disent aussi est vrai, ça dépend de comment on fait les villes s'il y a des îlots de, y a des îlots de, de fraîcheur dans les villes, s'il y a des espaces verts pour compenser les émissions de carbone dans les villes aussi, c'est pratique quoi chauffage collectif, ouais chauffage collectif, très bon exemple chauffage collectif euh, c'est euh, plutôt cool « Rien qu'on ne sache déjà, mais qui mérite une fois encore d'être rappelé, martelé. Nous voyons des exemples de bâtiments zéro énergie ou zéro carbone dans presque tout le type de climat. » A indiqué Jim Skea, coprésident du groupe de travail 3 du GIEC. Ouais, C'est intéressant ça, les exemples de bâtiments zéro énergie ou zéro carbone dans tous les types de climat. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, n'importe où à la surface de la planète, il est possible d'adapter des modes de, de, de bâtiments zéro énergie, zéro carbone, donc près de l'équateur, près des pôles... Euh, dans des climats continentaux, dans des climats euh, tempérés, etc. Intéressant. J'y connais rien, je suis ni architecte ni urbaniste, mais euh, moi ça me rassure de savoir qu'il y a des exemples qui montrent que ça existe. Le GIEC souligne que des interventions bien pensées et mises en œuvre de façon efficace permettant la baisse des émissions à la fois dans les bâtiments neufs et dans ceux existants s'ils sont rénovés thermiquement. Attendez. Le GIEC souligne que les interventions bien pensées et mises en œuvre de façon efficace permettent la baisse des émissions, à la fois dans les bâtiments neufs et dans ceux existants s'ils sont rénovés thermiquement, ont un potentiel significatif pour permettre d'atteindre les objectifs de développement durable dans toutes les régions, tout en adaptant les bâtiments au climat futur. OK. L'industrie fait aussi l'objet de toutes les attentions. Bon, en tout cas, donc c'est en matière de bâtiments, là de ce que je comprends, la rénovation thermique des bâtiments, quand c'est bien fait. La rénovation comme la construction et les nouveaux, euh, nouveaux standards de construction de bâtiments vont dans le bon sens et ça monte la voie. Bah C'est bien ça. L'industrie fait aussi l'objet de toutes les attentions. Réduire les émissions dans ce secteur, responsable d'environ un quart des émissions mondiales, nécessitera l'utilisation plus efficace des matériaux, la réutilisation et le recyclage des produits et la minimisation des déchets. Pour les matériaux de base, dont l'acier, les matériaux de construction ou les produits chimiques, des procédés de production peu ou pas émetteurs de gaz à effet de serre sont en phase pilote ou proche de la commercialisation, remarque le GIEC, qui met en avant les opportunités accrues en matière d'emploi et d'affaires. Ok. Donc là, le GIEC aussi, euh, visiblement, est un peu, il, il se veut rassurant en disant qu'il existe des matériaux, des procédés qui fonctionnent, qui sont euh, respectueuses de l'environnement, mais on est en phase pilote, on est, voilà, on, est, on est à la pré-industrialisation, donc bientôt ça pourra arriver, ça nécessite encore de faire des efforts, et sans doute de faire des efforts ici en, en matière de soutien par les pouvoirs publics, de défiscalisation, etc., pour rendre le truc viable sur un marché. Après, dans le bâtiment, c'est surtout les matériaux utilisés et leur production qui polluent beaucoup, genre le béton. Ouais, 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 ouais c'est ça, c'est ça. Quand le béton qui pollue est pas cher à produire, bah c'est sûr, t'es pas incité quand tu fabriques un bâtiment à aller acheter du béton qui pollue moins dans sa fabrication. Donc ouais. Euh... Dans ce secteur pourtant, atteindre la neutralité carbone sera difficile et nécessitera de nouveaux processus de production, de l'électricité à faible et zéro émission, de l'hydrogène. Et aux besoins du captage et du stockage de carbone, estiment les experts. Ouais. Merci Chocomogo. Euh, donc, bref, dans l'industrie, hein, si vous avez bien compris qu'on parle de ça, atteindre la neutralité carbone sera difficile. Ça va nécessiter des nouveaux processus de production de l'électricité à faible et zéro émission. Ouais, parce que ça aussi, ça peut être enfin Voilà, c'est quand tu construis une usine qui prend de l'électricité, ça dépend où elle la prend, l'électricité. Merci Isamu pour ton prime. <coughs> Merci Isamu. Euh, donc c'est sur toute la chaîne, quoi. Si tu produis du béton faiblement émetteur de CO2, mais que pour produire ce béton, tu as besoin d'électricité qui vient d'une centrale à charbon, bon, <laughs> c'est pas ouf. Soucieux de poser toutes les options sur la table, le GIEC a examiné le potentiel du captage et du stockage de CO2 en sous-sol, actuellement mûr pour récupérer plus de pétrole, mais beaucoup moins mûr pour limiter les émissions issues de la production d'électricité, de ciment ou de produits chimiques. Et conclut ceci, la mise en œuvre de la capture-stockage de carbone fait face actuellement à des barrières technologiques, économiques, institutionnelles, écologiques et socioculturelles. Ah ouais, donc le GIEC vraiment la, la recapture de carbone et le stockage dans le sous-sol. La capture de carbone, c'est pas un gros ventilo qui capte le CO2, c'est un processus industriel qui capte le carbone pour le stocker, notamment dans des cheminées de centrales à énergie fossile, gaz, charbon. Oui, ouais, ouais, j'avais entendu parler de ça, effectivement. Les, les processus de, de captage du carbone, effectivement, c'est complexe. c'est compl Et en fait, c'est paradoxe, ça demande de l'énergie. <laughs> ça demande beaucoup d'énergie, d'électricité pour capturer le carbone, etc. Et ensuite, on en fait quoi du carbone bah, Ce que disent le GIEC, c'est que euh, aujourd'hui, il est utilisé, le carbone, une fois qu'on qu en a, pour être injecté dans le sol de manière à faire sortir plus de pétrole du sol. Donc, c'est un peu un paradoxe, quoi. Euh, ok. L'agriculture, l'alimentation, la forêt et les terres peuvent permettre d'importantes réductions des émissions, notamment en réduisant l'énorme gaspillage alimentaire et en favorisant un régime alimentaire équilibré et durable. La gestion des terres et des sols est aussi un moyen de retirer du carbone de l'atmosphère et de le, et le stocker, par exemple en restaurant les tourbières et autres zones humides. Toutefois, la Terre ne peut pas compenser un retard dans les réductions d'émissions et autres secteurs, avertit le GIEC. Ouais, donc le GIEC, ils sont en mode attention, attention mollo, les gars. Croyez pas que parce qu'on fait des marécages et des, et des tourbières, on va pouvoir continuer à rouler en bagnole à côté. Hein. <laughs> ça ne peut pas être une technologie de compensation euh, foule. Hein. ça va quand même falloir réduire. Un tacle à ceux qui entendent utiliser les traits décriés compensation carbone pour mieux temporiser. Les options passées en revue par le GIEC dans ces secteurs agroforestiers peuvent bénéficier à la biodiversité, nous, aide, nous aider à nous adapter au changement climatique et sécuriser les conditions de vie ainsi que l'approvisionnement en nourriture, eau et bois. Le bénéfice économique de la limitation du réchauffement à 2 degrés excède le coût de l'atténuation. Oula, attendez, compliqué cette phrase. Le bénéfice économique de la limitation du réchauffement à 2 degrés excède le coût de l'atténuation. D'accord, ok. D'accord, ça j'ai compris. Ça coûte plus cher de continuer à aller dans le même sens. Parce qu'on a l'impression de ne pas dépenser beaucoup d'argent, euh, machin. Mais en fait, on gagnerait plus de pognon à atténuer nos émissions de gaz à effet de serre. En fait, ça nous coûte plus cher de continuer à faire n'importe quoi que de commencer à mieux se comporter. J'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Ça vaut le coup de changer. Oui, voilà, c'est ça. Non, très bien dit, très bien dit. Ça vaut le coup de changer. <laughs> c'est dit comme ça. Euh, pour garantir des résultats en matière de réduction des gaz à effet de serre, alors évidemment, vous avez bien compris la subtilité et la difficulté c'est qui paye et euh, dans combien de temps Voilà. Pour garantir les résultats en matière de réduction des gaz à effet de serre, la finance doit être mobilisée. À ce jour, les flux financiers sont 3 à 6 fois inférieurs au niveau nécessaire d'ici à 2030 pour limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés. Ah ouais, putain. C'est 3 à 6 fois moins que ce qu'on devrait mettre comme pognon. Mais d'une manière globale, je suppose. Je ne sais pas s'ils sectorisent en fonction des, des zones géographiques, etc. Pourtant, il existe suffisamment de capitaux et de liquidités à l'échelle mondiale pour combler ce déficit d'investissement. Oui. Mais cela nécessite des signaux clairs de la part des gouvernements et de la communauté internationale, insiste le GIEC. Sans même prendre en compte les bénéfices économiques liés à des effets dévastateurs du changement climatique évités et des coûts d'adaptation réduits. Les scientifiques estiment que le PIB mondial ne serait affecté que de quelques pourcents en 2050 si le monde agit pour limiter le réchauffement à 2 degrés au moins. Ceci dit, dans la plupart de la littérature scientifique étudiée, il est dit que le bénéfice économique global de la limitation du réchauffement à de 2 degrés excède le coût de l'atténuation, indique le résumé pour décideurs. Ok. Ouais, donc les scientifiques sont assez clairs. Hein. Enfin, je veux dire, il faut dépenser. Le pognon est disponible, il existe, il y a des liquidités dans ce monde. Euh, il est nécessaire d'aller le chercher et ça rapportera du pognon à long terme. Enfin, c'est pas que ça rapportera du pognon, c'est plus une logique de manque à gagner, vous avez compris la logique, quoi. Mais voilà. Ça nous coûte plus cher collectivement maintenant de continuer à rien faire, que de dépenser tout cet argent euh, maintenant pour agir. Euh, mettre en place les bonnes politiques, infrastructures et technologies permettant des changements dans nos modes de vie et comportements peut aboutir à une baisse de 40 à 70 des gaz à effet de serre d'ici à 2050, tout en, tout en améliorant notre bien-être, insiste le coprésident du groupe de travail 3 du GIEC. Priyadarshi Choukla. Les prochaines années seront critiques pour augmenter nos chances de changer de trajectoire. Les investissements d'aujourd'hui sont là pour des décennies, a martelé lors d'une conférence de presse l'un des auteurs du rapport, Raphaël Jacli, euh, Jachnik, spécialiste de la finance climat à l'Organisation de coopération et de développement économique. Et d'ajouter que la coopération internationale est un facteur essentiel pour renforcer les ambitions, la mise en œuvre et l'équité. Je ne comprends pas, il parlait de 1,5 degré euh, au début de l'article. Ouais, le scénario qui a été arrêté par le par le la COP, c'est pas plus de 1,5 degré d'augmentation par rapport à l'air plein industriel, de ce que j'ai bien compris. Ça, c'est l'objectif de l'estimation de l'ambition la, la plus haute du GIEC. Euh, mais là, il parle de réduction des gaz à effet de serre. Euh... Donc voilà pour ce. Euh... Donc voilà pour cet article sur le rapport du GIEC qui est sorti donc lundi, ce rapport du GIEC. Hop, assez alarmiste et qui met la pression du coup sur les gouvernements du monde entier pour agir dans les années qui viennent. Les trois prochaines années seront cruciales. Euh... Plus on attend plus ça va coûter cher ouais on n'est pas sorti de l'auberge ah on n'est pas sorti des ronces non ça c'est sûr il faut se serrer le kiki absolument il se passera rien cool bah on verra on verra il peut y avoir des surprises enfin euh, oui des surprises non ce serait mieux que ce ne soit pas des surprises mais des projets euh, concertés organisés euh, qui vont de l'avant etc puis ça, ça repose la question de savoir est-ce que euh, est-ce que, est que, est que la démocratie est capable de répondre à ce défi-là Il euh, y a des thèses hein, qui ont été écrites disant que la démocratie est un, est un, est un, est un, est un système politique mal adapté euh, à répondre à des crises d'ampleur, qu'en fait la démocratie sait bien gérer. C'était quoi le terme exact La démocratie sait gérer l'opulence et la croissance, pas la restriction, la sobriété et la, et la contrainte. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, <laughs> mais c'est une question de point de vue, pour le coup. Je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, et je crois d'ailleurs que la Convention citoyenne pour le climat l'a montré. Euh, les gens, les électeurs, ne sont pas que des consommateurs euh, bêtes et méchants de politique publique. Ils ont aussi la capacité à comprendre la notion de restriction, à l'adapter de manière juste, équitable, bien répartie. Et si c'est compris, organisé, etc., euh... les gens sont capables de, de s'adapter à toutes les restrictions quand c'est pour la bonne cause. Hein. Regardez le respect des mesures de confinement pendant le, la crise du Covid. Elles ont été très largement respectées par une grande majorité de la population parce que les gens avaient parfaitement conscience de pourquoi. C'est pour sauver des vies. Il y a un virus qui circule. C'est bon, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour comprendre que il bah, faut se protéger les uns les autres. Donc euh, voilà. Évidemment, il y a des antivax, etc. Mais c'est pas la peine de passer une plombe à parler d'eux. dans l'écrasante majorité de la population, euh, ça s'est bien passé. Euh, et je vous parle même pas de la guerre. Euh, quand il y a des périodes de guerre, pendant la seconde guerre mondiale, etc. Les gens comprennent qu'il faut euh, descendre au sous-sol quand il y a des bombardements euh, pour se protéger. Enfin, bon, c'est des restrictions, euh, L'étiquette de rationnement, etc. Bah oui, on rationne parce qu'il n'y a plus de bouffe. Donc euh, <laughs> tu prends ton ticket, tu vas à la boulangerie, tu vas acheter ton pain du jour, quoi. C'est, voilà, les, les, les gens sont capables de comprendre. Enfin, euh... je, je pense. En tout cas, en, encore une fois, là pour le coup, c'est mon opinion, donc on peut ne pas être d'accord. On peut, on peut ne pas être d'accord euh... là-dessus. Je, je suis le premier aussi à voir les limites du système, de considérer que la démocratie peut aussi agiter les peurs, agiter les fausses promesses, les espoirs euh, trompés, euh, mentir aux gens. Euh... Mmh. Il y a toujours cette minorité bruyante et hors sol qui nie tout. Mais je pense que oui, et je pense que et je pense qu'elle continuera à exister. C'est pas un, enfin, Il faut pas baser l'intégralité d'une stratégie ni même d'une réflexion sur les externalités négatives du truc ou, 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 ou la minorité bruyante qui de toute façon voudra jamais. quoi. Donc, euh, mais bon, l'important c'est de le limiter au maximum, que ça reste une minorité et que. La différence entre tes exemples et le changement climatique, c'est que le Covid ou la guerre, c'est instantané. Le risque est direct. Le changement climatique, c'est un risque latent pour beaucoup, pour plus tard. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'y pensais en le disant. Je me disais en fait la différence entre ouais, ouais, la pandémie et les bombardements pendant la guerre, c'est que bah, la bombe, tu risques de te la prendre sur la gueule à toi. Euh, la pandémie, le virus, tu risques de l'attraper toi. Euh, le changement climatique, ça paraît plus virtuel et plus abstrait aux gens. Euh, je, je, je suis assez d'accord avec toi. Ça, ça crée une différence non négociable. Par ailleurs, il y a aussi le caractère tangible et visible. Euh, le, 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 le virus, il euh, bah, y a des gens qui sont morts, on les a vus, euh, on a des, les gens ont perdu des proches, etc. Euh, ça, ça, ça rend palpable le risque. Euh, les bombardements, pareil, hein, tu les vois tomber, il y, y a des incendies, ça brûle, etc. Du coup, c'est plus rapide. Quoi. <laughs> Pardon pour le dire comme ça, mais c'est plus rapide. Alors que le changement climatique passe encore pour être quelque chose de peu visible, même si vous êtes d'accord avec moi qu'il est de plus en plus visible quand même, le changement climatique. On, on le voit, quoi. Enfin, je, je... Enfin, après chacun l'interprète comme il veut, il y a encore des gens qui doivent se dire oh mais ça c'est les saisons, ça change. Mais bon, hein. En tout cas, ce que je veux dire c'est qu'on ne le voit pas tous dans notre quotidien de manière tangible et violente. Donc hmm. Le réchauffement climatique, ça commence à devenir très palpable. Ouais, et ça dépend pour qui. Et c'est aussi ça, c'est aussi ça l'injustice du truc, c'est que ça dépend pour qui, ça dépend dans quelle zone du globe. Euh... La biodiversité, c'est bien visible. Ouais. Ouais, c'est d'ailleurs ce intéressant, j'écoutais Yannick Jadot dans l'émission de France 2 hier soir qui disait euh, qu parlait de la campagne sans les chants des oiseaux. Parce qu'il y a un effondrement de la population euh, des oiseaux partout en Europe et partout dans le monde, hein, à cause du changement climatique, les insectes c'est pareil. Et euh, c'est une manière pour lui de rendre, de, de, de rendre palpable pour que les gens qui, voilà, les gens qui habitent à la campagne tendent l'oreille et disent, putain mais c'est vrai, quand j'étais petit j'entendais des oiseaux tout le temps. Et maintenant, il y en a moins. Et c'est un peu comme... Euh, c'est un peu comme euh, ouais il y, y a moins de moustiques écrasés sur les pare-chocs des voitures sur les pare-brises des voitures c'est quelque chose de très tangible il enfin, y a moins d'insectes et y, les gens qui prenaient la route dans les années 80 pour descendre la nationale de 4 pour aller dans le sud euh, et bronzer ils se souviennent de l'été il y avait des moustiques partout écrasés sur le pare-choc de la bagnole fallait nettoyer la bagnole et tout euh, bah maintenant il y en a moins il y en a même beaucoup moins quoi RN7 oui j'étais en train d'y penser c'est la, la, la RN7, l'autoroute la, du soleil. C'est ça, la National 7. 60% de l'effondrement du vivant en 40 ans. Oui, oui, oui. Oui, l'extinction de la biodiversité. Mais encore une fois, et ça aussi, c'est un sociologue qui expliquait ça qui était assez intéressant, qui rappelait que qu'il le, 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 y, y a eu une mutation majeure depuis l'exode urbain, euh, l'exode rural, pardon, euh, l'exode rural et, et, et nos modes de enfin, nos modes de vie dans nos sociétés contemporaines des pays développés, c'est qu'on vit moins à côté des animaux qu'avant. On est moins en contact de la nature au quotidien, c'est vrai. Moi, j'en suis une caricature absolue. Hein. J'habite à Paris, il y a du béton partout autour de moi. Euh, je, je vis dans un immeuble, j'ai un environnement informatique toute la journée, etc. Donc je suis la caricature de ça. Euh, mais donc du coup, on a un rapport aux animaux qui est plus distancié euh, et qui, et qui du coup fait qu'on a moins de, on est, on est, on est moins susceptible d'avoir une conscience accrue de, de, la, de la, de la, nature qui souffre des soit d'épisodes météorologiques, soit d'une manière générale du changement climatique. On a moins d'affect. Ouais, en partie. C'est tout le rapport au sauvage qui est bouleversé. Ouais, ouais. Ici, en Charente-Maritime, le gel est une catastrophe pour les vignes. Ah, bah oui, on s'en souvient, c'était l'hiver euh, dernier. C'était l'hiver euh, 2020-2021 où il y avait eu un terrible. Euh, Épisode de gel au moment où. Euh, merci Romain, des bisous mec. Il euh, y avait un terrible épisode de gel où, où les au moment où les vignes bourgeonnaient ou les pieds bourgeonnaient, euh, ça ouais, ça a tout pété. Rubelot là cette année. ouais, mais comme il n'y a pas de séance à l'Assemblée nationale, moi je, moi, je suis pas au courant moi. Moi il me faut un député euh, bourguignon qui vient et qui dit euh, ça va pas du tout, c'est l'enfer. <laughs> mais ok d'accord, bah bon courage. Hein. Faut regarder Hugo Décrypte. Ah ouais, putain. Mais je m'informe pas comme les jeunes, moi. Moi, je suis un boomer. Moi, j'allume la télé à 20h. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure du JT, là. Hein. Chéri, va chercher les chips et la bière. Allume la télé. Allume donc le poste. Ça manque les QAG. Euh, ouais. Actuellement, les vignerons mettent des bras zéro dans les allées des vignes pour les réchauffer. Ah, mais quel enfer! Mon père dit toujours allumer antenne 2. Ah ouais? La cinquième, antenne 2. La une aussi. Elle euh... les réclame avant le communiqué. FR3. Euh, non, pourquoi on est en train de reparler de la télé, putain Pourquoi on parle des vieilleries alors que. Alors qu'on est en train de parler du rapport du GIEC, qui est quand même un petit peu plus actuel euh... On disait que c'était la faute des boomers. <laughs> Les vignes. Oui, c'est ça. On parlait des vignes, on parlait du réchauffement climatique et du rapport du GIEC. Donc voilà, le rapport du GIEC sort aujourd'hui à... Enfin, euh, le troisième volet du sixième rapport du GIEC, vous avez compris, sort aujourd'hui à quelques jours de l'élection présidentielle. Euh... Voilà, quoi. Du coup, intéressez-vous aux propositions climatiques euh, intéressez-vous aux propositions en matière d'environnement de, de la part des candidats, pour ça vous pouvez regarder euh, l'excellente émission Le Débat du Siècle présentée par le non moins excellent Jean Massier, accompagné de Paloma Moritz journaliste de Blast spécialisé dans les euh, dans les euh, euh, sujets environnementaux et climatiques voilà Vous avez des, des candidats à l'élection présidentielle qui se succèdent pour vous présenter leur programme en matière d'écologie et de climat. C'est un bon gars, Jean-Massier, tu le connais. Assez mal, mais il m'a l'air assez exceptionnel. Moi, si je le connaissais, je m'abonnerais à sa chaîne, c'est tout ce que je sais. Euh... Un rapport du GIEC qui dit concrètement « C'est chaud, les gars. » Ouais, c'est chaud, c'est urgent, mais il y a des choses qui sont possibles d'être faites, mais il va falloir les faire vite. Et il euh, va falloir y aller fort. Mmh, mmh. J'ai hâte de voir les actions. Bah ça dépend de quel pays, dans quelle ampleur, etc. Euh, L'Europe, la France sont déjà en engagées dans des, dans des processus euh, plus ou moins ambitieux. Merci, Dr. Slibar, pour ton resub. Merci, Sissou Telode pour ton resub aussi. Du coup, je m'abonne. Tu as bien raison. Merci à toi. Euh, donc, du coup, on, on verra les actions qui seront menées, qui seront entreprises, euh, y compris à l'échelle internationale, parce que c'est ce que dit le rapport du GIEC, hein, la coordination internationale, l'action partout à la surface de la planète. Merci, Jeanne Padawan. Hop. Excellente initiative, le The Event pour un parti politique pour les jeunes, car tous les sujets ne sont pas pris en compte. Non mais c'était un poisson d'avril ça, les gars. Concentrez-vous un peu, regardez la date des tweets. <laughs> jean Jean-Massien n'est pas adhérent de l'UDI. Moi bah, non. J'avais pris ma carte pour rigoler, parce que c'était un, un défi du The Event, évidemment que je ne suis pas proche de l'UDI. Euh... Spoiler, il se passera rien comme d'hab. J'en sais rien, je sais pas où ils en sont, les pays comme la Chine, les Etats-Unis, etc. Joe Biden, il n'avait pas, un... pas un axe de son programme euh, Sur le Green Deal Ouais, le Green New Deal. Je sais pas où il en est, honnêtement, j'en sais rien, je ne suis pas trop l'actualité euh, du... du quinquennat de... enfin, du, du... Du, du mandat de Joe Biden. Merci Talion Tinuviel. En plus, alors, en plus, je crois que les États-Unis ont un mode de fonctionnement euh, qui quand même fait que c'est d'abord les États qui ont une possibilité d'action beaucoup plus que l'État fédéral américain. Euh, je crois que la Californie fait énormément de choses. Et C'est au niveau de l'État que ça se fait, quoi. Tout le monde dit avoir un plan climat, mais c'est lent à concrétiser. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que la plupart des, des, des critiques qui sont émises par les par les scientifiques qui regardent les actions des États, c'est que c'est souvent tardif, peu, pas assez ambitieux et trop euh, et trop euh, et trop lent à mettre en œuvre. C'est au détriment des autres états parfois, ouais. ouais et puis avec la, avec la difficulté et la subtilité de réussir à créer, et c'est tout l'enjeu, hein, la, la justice, euh, la, la justice, euh, enfin, le, oui, que, que la transition soit faite de manière juste, que, ça, que, ça que l'effort ne repose pas entièrement sur une même personne. Hum. Euh, demain, les amis, je vous rappelle que vous avez rendez-vous avec votre émission politique préférée sur Twitch. Vous avez même le droit de le regarder sur votre téléviseur si vous voulez. Il s'agit de l'émission BackSit. Euh, émission Baxit au cours de laquelle nous recevrons demain Samuel Gribowski, le euh, sera notre invité politique Samuel Gribowski, le cofondateur de la Première Populaire qui a quitté la Première Populaire pour rallier la campagne de euh, Jean-Luc Mélenchon. Il nous expliquera euh, son euh, le processus de la Première Populaire, comment il l'a vécu de l'intérieur et euh, où est-ce qu'il en est aujourd'hui et quel est selon lui l'avenir de ce type de, de processus. J'ai vraiment hâte de lui poser toutes ces questions. Euh, on recevra en première partie euh, Sébastien Abdelhamid, euh, Sébastien Abdelhamid euh, qui euh, un grand, enfin un grand spécialiste, j'allais dire ça comme ça, mais de la culture pop, euh, notamment de la culture TV pendant des années, très présent sur le web, sur click.tv avec Mouloud Achour, etc. Un garçon super chouette, Sébastien Delamine, ça me fait vraiment plaisir. Euh, qu'il ait accepté notre invitation. Donc, euh, comme d'habitude, on va discuter de son rapport à la politique, de comment est-ce qu'il voit les choses, comment quel regard il porte sur les personnalités politiques. Et euh, avant Baxit, nous aurons un BIFOR. Demain, nous aurons un BIFOR avec Médecins du Monde. Euh, Médecins du Monde qui sera représenté par Chloé et Eren, qui viendront demain donc, à 19h. Euh, nous présenter Médecins du Monde ses actions et, euh, et ce qu'ils font. Oh, c'est pas ce que je voulais faire, c'est ça. Euh, cette ONG, ses actions, comment ils fonctionnent, etc. Donc ça, c'est le Before sponsorisé par Médecins du Monde demain. Et sinon, voilà Sébastien Abdelhamid avec Samuel gribowski, Je serai accompagné de Léa Adel et Usul. Et ça va être trop de la balle. C'est le dernier backseat avant le premier tour de l'élection présidentielle. On va parler d'abstention. On va parler du vote. Comment voter Pourquoi voter On va parler de. Euh, on va parler de plein de trucs. Donc, soyez là demain soir, ça va être cool. Il a, une sor il a sorti une collab avec une marque de chaussures incroyable. Ouais, ouais, il a fait des sneakers. Il a fait des sneakers en collab. Euh... Sébastien, c'est trop de la balle. Merci Alexis Desjardins pour ton Prime. Non, qui a transformé son Prime en abonnement. Merci, merci beaucoup. Euh, dimanche soir je serai en live évidemment, il y aura une soirée électorale à suivre sur ma chaîne, euh, je suivrai je commenterai avec vous les résultats à 20h je lancerai mon live avant ça à 18h hein, je pense on regardera ensemble les résultats de l'élection présidentielle pour le premier tour et on suivra les réactions des candidats en direct j'ai un partenariat, enfin non j'ai obtenu les droits de diffusion de BFM TV euh, pour, euh, pour cette soirée électorale donc euh, juste pour le passage à 20h et pour les, les allocutions des présidents pas des candidats pardon <laughs> après le premier tour euh, donc on va suivre ensemble la soirée électorale, on va en parler et ça va être cool. Euh, donc voilà, donc dimanche soir euh, venez venez passer la soirée avec moi sur mon live, on discute, on, on tire les leçons ensemble de ce premier tour. Euh, voilà. Tu connais un endroit où les principaux points des programmes des candidats sont compilés À peu près partout sur Internet. Euh, le Figaro.fr a fait un il y a une compilation des programmes, des comparateurs de programmes, il y en a partout sur Internet. Euh, Hugo, il a fait des vidéos sur les programmes de tous les candidats. Gaspard G, il a fait des vidéos sur chacun des candidats. Ils sont tous élus présidents en même temps, quelle horreur. <laughs> T'imagines, plot twist. Finalement, le Conseil constitutionnel annonce la coprésidence de la République <laughs> avec 12 candidats. 12 présidents. Euh... Je ferai mon choix de vote lundi, je pense, après la soirée avec toi. Oui, si vous ne savez pas pour qui voter au premier tour, euh, je vous conseille de ne pas voter le dimanche, d'attendre lundi, d'attendre la soirée électorale. Et une fois que vous avez les résultats de l'élection, vous pourrez aller voter en sachant un peu mieux. Euh... Ouais, ouais. <laughs> non, faites pas ça, c'est une blague. Les bureaux de vote, ils sont fermés, il n'y a plus après. <laughs> Pas bête, let's go. Bah ouais, attends. Moi j'attends le résultat pour voter. Hein. <laughs> le vote sera fait avec des points de chaîne. Je peux voter ici et chez Gotaga par exemple. Non, pour voter, il faut être abonné à la chaîne de Jean Massier. Ça c'est écrit dans la constitution. Ou non, dans le code de électoral. Euh, Peut-être que vous ne l'avez pas lu, mais euh, ne sont comptabilisés les votes à l'élection présidentielle que les abonnés à la chaîne Twitch de Jean Massier. Euh, voilà, c'est dans la loi. Ne déconnez pas, hein. euh, vous avez encore le temps de vous abonner si ce n'est pas, si pas déjà fait. Euh... Voilà, merci uh, JPay TV du coup. Abot tier 3, bien sûr. Abo tier 3, bien évidemment. Vous pouvez bénéficier euh, d'Amazon de, de, Prime. Euh, qui vous permet de faire payer Amazon à votre place mais pour ça il faut que vous payiez Amazon enfin, c'est un système assez bien fait merci Edrix qui offre 5 bulletins de vote du coup au chat Oublie les 40% d'abstinence ah oui mais même les abstentionnistes doivent s'abonner ça aussi c'est écrit merci Moustix pour les 5 subs offerts au chat 5 bulletins de vote en plus c'est quel verset du code électoral je sais plus il est, il, est, il est derrière moi là il prend la poussière Merci Flutis Professionnel, merci beaucoup, merci Ultium également pour ton prime, merci à vous, merci Fraxon, Fraxon qui offre 5 subs à son tour au chat, merci beaucoup, 5, 5 bulletins de vote, un tiers 3 ça veut dire que mon, compte, que mon vote compte triple, ouais ouais tiers 3 ton vote compte triple, ouais. merci Ecote pour ton prime, merci Fromage Coulant qui vient de faire un don à Backsite sur la page Utip de l'émission Backsite. merci beaucoup pour ton soutien à l'émission Backsite. ça fait plaisir. Euh... Si vous payez, c'est gratuit, exactement. Si vous payez, ça devient gratuit. Euh... Ce chat a le plus grand taux de vote de tout Twitch. Oh, j'en suis pas sûr, hein. je pense qu'il y a un paquet d'abstentionnistes qui regardent ma chaîne. Hein. Ça m'étonnerait pas du tout. Il n'y a aucun problème avec ça. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour vous inciter à voter. Vous faites ce que vous voulez. Vous votez pour qui vous voulez. Et vous votez si vous voulez voter. Vous n'êtes pas obligé de voter. Faites ce que vous voulez. Merci, le papadès. Le papa des trois, pour tes 5 subs offerts au chat. Merci beaucoup. C'est très généreux. 5 bulletins de vote en plus. Sub-3 plus Utip égale un ministère. Au moins. Au moins. Euh... Merci Jules Butte. Merci beaucoup. Tu vas montrer le JT Non. Non, non, j'ai pas, pas le droit de diffusion de, de TF1. Donc je vais, je vais aller le regarder tranquillement, je pense, de mon côté. Euh... Bon, allez, je vais m'arrêter là, les amis. Euh, je vais aller me reposer. Demain, on se retrouve pour Backseat. Donc, je vous rappelle qu'à partir de 19h, il y a un bifort avec Médecin du Monde. Et ensuite, c'est parti pour Backseat. Ça va être trop cool. Merci à vous d'avoir été là. Je vous fais euh, des bisous. Euh... Pas, de... Pas de raid, tranquille ce soir, peinard. Amusez-vous bien. Bonne fin de soirée sur Twitch. Euh... Et puis à demain pour Backseat. Des bisous, merci d'avoir été là, c'était cool aujourd'hui. C'est toujours cool avec vous. Des bisous, à plus, ciao, bye bye.